Bonjour, 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 mesdames et messieurs. Bon après-midi, bonne nuit pour ceux qui me reçoivent. Peut-être en Chine, comme ça. Aujourd'hui, en ce jeudi béni des dieux, nous recevons un invité spécial, d'accord, sur notre chaîne, Great Lady, qui va nous parler un peu de ce qu'elle fait, pour qui va vraiment nous entretenir sur un message très important pour la femme, d'accord. Bienvenue. Qui suis-je? Je suis Brice Mayumbu. Je suis Mindset Transformation Coach. Ma mission de vie, la raison pour laquelle je me lève chaque matin et que tu me vois là, c'est d'aider toi, cette femme-là qui est passée par des traumas, à ressortir de ce que j'appelle le gouffre émotionnel, découvrir, d'accord, qui tu es, d'accord, et bien sûr, devenir la meilleure version de toi-même. Je suis présente un peu partout sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, bien sûr. Si tu ne me suis pas encore, va me suivre sur Instagram. J'ai ma page aussi YouTube à laquelle je t'invite à venir à t'abonner avec amour. Et bien sûr, sur cette page Born for a Purpose, sur laquelle je partage des passages hebdomadaires. Je partage aussi des lives comme ça, comme ceci. Et j'invite aussi des sœurs à vraiment pourquoi à travailler ensemble, à cheminer ensemble, à partager les passions communes et qui est vraiment de développer la femme sur tous ces points. Et bien sûr, les hommes aussi, pourquoi pas, parce que c'est plus en fait pour les enfants de Dieu. Donc, nous allons recevoir comme ça sur le plateau Great Lady, qui est une jeune sœur, d'accord, et qui va un peu nous cheminer, nous parler un peu de ce qu'elle fait, nous parler un peu de sa mission, nous parler un peu en fait de là où elle est. Donc, si tu me regardes en live, mets hashtag live. Si tu me regardes en replay, mets hashtag replay. Si tu me regardes pour la première fois, dis-nous aussi que c'est la première fois que tu nous vois. Cela nous fera plaisir de savoir. Et dis-nous bien sûr dans quelle partie du monde tu nous reçois. Cela vraiment sera amazing de savoir d'où est-ce que vous nous recevez. Donc, on va attendre quelques instants afin qu'elle se connecte. Je pense qu'elle est en train de se connecter. Et il pleut en ce moment. Donc, des fois, lorsque la température, le temps n'est pas. Comment dire? Lorsque le temps n'est pas ça, des fois, il y a des problèmes de connexion aussi. Oui, vous allez dire peut-être, même aux États-Unis, il y a des problèmes de connexion. OK? Donc, donnons-nous quelques secondes afin qu'elle puisse se connecter. Entre-temps, dites-nous d'où vous nous recevez. Dites-nous comment vous allez. Dites-nous. Dans quelle partie du monde vous êtes en fait? Parce que savoir d'où vous êtes nous intéresse beaucoup. Et bien sûr, dites-nous comme d'habitude comment vous vous sentez sur le plan moral. Comment ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes troublé? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes vraiment dans la gratitude? Je vous ai dit que tout ce mois en fait, mon groupe et moi, le groupe dans lequel je suis, c'est vraiment le mois de la gratitude. C'est vraiment le mois dans lequel on se concentre sur les bénédictions du Seigneur. On ne se concentre pas pour proclamer ce qu'on ne veut pas dans notre vie, mais on se concentre pour proclamer ce qu'on veut dans notre vie, de telle sorte qu'on ouvre la bouche avec sagesse, on ouvre la bouche pour remercier le Seigneur pour ce qu'on a déjà. Parce que plus on passe du temps à se plaindre, ben, nos situations deviennent pires. Cela ne veut pas dire que, comment dire, on devient négligent. Au contraire, tu travailles, tu remercies le Seigneur. Tu as la galère, tu remercies le Seigneur, quelle que soit l'épreuve. Donc, voilà comme ça. Donc, dis-nous comment tu te sens, dis-nous comment tu te sens, dis-nous. Dans le scale de 1 à 10, comment tu te sens, d'accord? Et bien sûr, si nous pouvons apporter une petite pierre à l'édifice, n'hésite pas de me contacter si tu as besoin d'un coaching privé. Et bien sûr, j'espère que tu t'es inscrite ou tu vas t'inscrire à la formation. Coucou, elle est là. La formation, en fait, qui va commencer la semaine prochaine. Et en ce moment, le deal de la semaine, que tu puisses avoir la formation gratuitement, d'accord? Il t'entend de se connecter. Donc, j'ai mis le lien hier quand je suis passée. Je vais encore le mettre à la fin de cette connexion afin que vous puissiez vous inscrire pour celles qui veulent bien s'inscrire. Et je vous dirais vraiment de ne pas rater en fait cette formation de 3 jours intense. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour tout ce que tu fais.
Je ne sais pas si tu m'entends, Avel. On me dit que tu as decline en fait, la vidéo. Oh, ok, great, yeah. Pourquoi ça fait Bonjour, ça? bonjour, tu m'entends? Pourquoi ça fait quoi? M'entends là-bas, j'ai envie de rôter, moi. Ok, voilà, là c'est bien. Tu étais bien tout à l'heure, hein? Tu m'entends, Abel? Tu étais bien tout à l'heure. Ne change plus ta position. Tu rotates une fois, one more time, one more time. Yeah. I don't know what's wrong with this. Just rotate it another time. Again, one more time. There you go. Stop right there. How is that looking? Non, là, ça va. Mais chez moi, Excuse-moi, ça tu dois sort pas centrer bien. le téléphone. Je ne te vois pas. Ok, voilà, c'est parfait. C'est Je sors parfait, pas à comme l'envers. ça. Hein? Je sors pas à l'envers. Non, non, non. Toi, Lâche-les ton droites. téléphone, il est Lâche-les vers droites. Je te là, vois. l'endroit. Tu n'es pas à l'envers. Je te vois. Ok, Voilà. mais chez moi ça paraît pas bien. Non, ça paraît bien parce qu'on te voit bien. Ceux qui te voient à la caméra, il y a quelqu'un qui est connecté. Ceux qui sont connectés, faites-nous des pouces. Dites-moi comment vous allez. On te voit bien en tout cas. Nous sommes sur le même, sur la même ligne en fait. Donc, coucou comme ça. Si tu es prête, on peut commencer. Si tu te sens confortable dans une seconde, nous sommes en direct. Attends un peu. Commencer Ok. malgré que chez moi j'ai l'impression que je te vois, je suis à l'envers, Non, tu es c'est bon. bizarre. Peut-être que ça fait l'impression par rapport au phone, mais tu es en tout cas, tu es bien. Ton téléphone est, comment dire, le son en face, en fait, il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète même pas de la direction. Même lorsque tu vas regarder en replay, tu seras bien. Par contre, si tu tournes, tu seras tordu. Voilà. Bonjour, bonjour à Serene qui se connecte. Soyez bénie, Tahir, Irène qui veut Bonjour, écouter aussi cela. Nous je sommes avec Great Lady. Amazing, amazing. Vraiment, c'est une bénédiction d'être là parmi vous. Vraiment que le Seigneur bénisse votre vie. Donc, j'aimerais vraiment, si vous pouvez inviter une sœur qui veut écouter ça, qui a besoin d'une inspiration ce matin, qui est en train de dormir, qui est en train de paresser, qui est en train de réfléchir si elle doit se lever. Mais taguez-la, partagez. Coucou Peggy, coucou Oge. Donc, on va commencer. Bonjour, bonjour, bienvenue sur Né pour une mission, Great Lady. Mais vraiment, c'est un plaisir et un honneur de t'avoir sur cette page et que tu puisses vraiment éclairer les lanternes de nos jeunes sœurs qui sont là-dessus. Voilà, Oge, elle dit qu'elle te voit très bien. Donc, tu es bien positionnée. Il n'y a pas que moi. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, nous sommes vraiment heureuses de pouvoir partager ce moment avec vous. Né pour une mission, qu'est-ce que c'est? Vous êtes sur cette page Born for Purpose. La mission de Born for Purpose, en fait, qui est née pour une mission, c'est de vraiment apporter cette lumière au monde pour savoir que chacun de nous, quel que soit là où nous sommes, quel que soit l'endroit du monde, quel que soit l'endroit du monde où nous sommes nés, mais chacun de nous a une mission sur cette terre, en fait. Et ce que je m'évertue à dire dans nos propos, dans mes posts, dans mes lives, c'est pour attiser cette flamme qui est à l'intérieur de toi. Et pire encore, comme on dit, cette femme-là qui a traversé des traumas, si dans ta vie, tu as commencé peut-être mal ton enfance, si tu n'as jamais été aimée, si tu as, quel que soit l'endroit, quelle que soit la boue dans laquelle tu as été, en fait, le Seigneur, en fait, a une mission pour toi. Le Seigneur t'a fait sortir de ce gouffre, en fait, pour que tu sois une lumière pour d'autres personnes, en fait. Et c'est ça le but. Donc, à travers les posts que je fais, à travers les coachings que je fais, à travers les interviews que je fais, en fait, c'est justement pour rappeler aux gens que quel que soit là où tu es, le Seigneur va t'utiliser. Et il y a un passage qui nous rappelle tout le temps que le Seigneur prend les inqualifiés, en fait, pour les qualifier. Le monde veut que tu sois qualifié. Le monde veut que tu sois parfait. Le monde attend que tu sortes avec toutes les paillettes. Non, mais le Seigneur te prend dans la boue, là. C'est la prostituée que tout le monde a humiliée, que le Seigneur a élevée, à qui le Seigneur a dit que si vous n'avez jamais péché, jetez la première pierre sur cette femme-là. Tout le village se moquait d'elle, tout le pays la rejetait, tout le monde la rejetait, lui donnait comment, parce que quoi, elle avait le péché sur elle. C'est comme ça que le monde veut, mais Dieu ne te voit pas comme ça. Dieu te voit comme sa fille unique. Dieu te voit comme cette tête exceptionnelle qu'il a façonnée à son image. Alors ce matin, vraiment sans plus tarder, je vais passer la parole à Great Lady qui va se présenter, qui va nous dire qui elle est, ce qu'elle fait. Bien sûr, à toi la parole, ma chérie.
Salut, salut, que Dieu vous bénisse. Je suis Great Lady Abel, qui je suis. Je suis Great Lady, comme je l'ai dit de mon nom, et je suis la créatrice de la compagnie appelée Avi Empire. Donc, Avi Beauty est l'une des branches. Je suis aussi motivatrice. De temps en temps, j'essaie de faire des vidéos pour motiver les autres. Et une de mes missions de vie, c'est de d'aider les autres à entreprendre, de commencer quelque chose, de sortir de leur zone de confort. Donc voilà en quelques mots qui je suis d'origine congolaise et j'habite aux États-Unis depuis déjà 2 ans. Donc voilà en quelques mots qui je suis et je suis aussi étudiante en temps partiel. Donc je suis entrepreneur et je suis aussi étudiante en temps partiel. Est-ce Donc que tu peux voilà un peu. reprendre encore ça? Reprends la dernière phrase là. Tu reprends la dernière Je phrase suis parce aussi que ça étudiante. tease et reprends la dernière phrase s'il te plaît. Et Je dis-le suis aussi, donc slowly. je disais, je suis aussi étudiante en temps partiel et j'entreprends. Donc voilà. Ok. Donc sans aller trop loin, il est possible d'entreprendre et de continuer à s'instruire. Études. Yeah, for Ok. sure. Donc toi qui es là sur cette page là, qui te dit que tu es peut-être étudiante là, que tu ne peux pas commencer quelque chose, voilà quelqu'un qui te dit, une jeune sœur comme toi qui te dit qu'il est possible d'être étudiante et entreprendre, qu'il est possible de commencer ta mission même dans la cuisine de ta maman, qu'il est possible d'être quelque part et de commencer quelque chose, il est possible d'aller à l'école et vendre les gâteaux. Come on, girl lady, come on, on ne fait que commencer. Alors maman, merci. Bénissez-moi, dit coucou Charlie, comment vas-tu ma reine? Merci, merci. Taguer une jeune sœur, parce qu'aujourd'hui on parle aux jeunes sœurs. Les jeunes sœurs sont malmenées. Les jeunes sœurs sont, comment dire, rabaissées. Les jeunes sœurs sont humiliées aujourd'hui parce qu'elles ne connaissent pas leur valeur. Parce qu'elles ne connaissent pas qu'à l'intérieur, comment dire, un précieux trésor. En dehors de cette beauté extérieure sur laquelle la société veut mettre l'accent, il y a quelque chose de spécial que tu as. Comme je dis toujours, tu fais de la couture, Dieu a besoin de toi. Tu sais bien faire le ménage, Dieu a besoin de toi. Tu sais faire les gâteaux, Dieu a besoin de toi. Le plus important, c'est que tu reconnaisses ça, en fait. Et c'est ça le but de ça. Ok, ma chérie, définis-nous, en fait, quelle est la femme aujourd'hui? Comment la femme du 21e siècle devrait se voir aujourd'hui? Nous sommes en train d'aller dans un autre siècle. Can you guys believe that? C'est-à-dire que je m'assois, je regarde mon précieux calendrier et vraiment, comme on dit, c'est-à-dire comme je dis aux gens, il y a un vent qui souffle. C'est-à-dire que je parle, ça, j'ai la chair de poule. Parce que moi-même, je suis impactée par ce que je dis. Il y a un vent qui souffle sur notre planète. Il y a un vent qui souffle sur notre communauté. Il y a un vent qui souffle sur l'Afrique. Je vous en supplie, mes chéris. Quel que soit dans le Bafoussam du Congo que tu es, quel que soit le village dans lequel tu es à Libreville, lève-toi. Ta lumière là, elle ne peut pas être cachée sous la. Elle ne peut pas éclairer sous le lit. Ta lumière doit être quelque part au-dessus de la montagne. Et c'est de ça dont il s'agit. Que tu viennes d'une famille de vendeuses de manioc, que tu viennes d'une famille de, je ne sais pas, de ministres, quel que soit l'endroit où tu es, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Sors de ta cachette. OK? Alors, ma chérie, tu peux nous définir la femme, ouais, ça, le watch party. Comme c'est bien, merci, merci de partager. Merci de taguer une sœur qui vient écouter, qui vient vraiment recevoir les bénédictions ce matin, cet après-midi, bien sûr. Si tu nous regardes en live, mets hashtag live. Si tu nous regardes en replay, taguez les jeunes sœurs, taguez les jeunes sœurs qui dorment, qui sont au lycée, là, taguez-les. Qui viennent écouter les témoignages. C'est pas du pop-up, c'est de la réalité. Et elle va nous parler de son histoire un peu après. Donc, définis-nous la femme du 21e siècle aujourd'hui, ma chérie. Comment tu vois la femme du 21e siècle sur tous ses plans? Bon, pour moi, en fait, selon moi, Great Lady, la femme du 21e siècle, premièrement, c'est une femme qui connaît sa valeur, qui connaît son identité. Si elle est chrétienne, elle connaît son identité en Christ. Bon, maintenant, si elle n'est pas chrétienne, elle connaît qui elle est. Donc, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle va, elle sait donc qui elle est, d'où elle vient et où elle va. Donc, elle a répondu à ces trois questions fondamentales de la vie. Qui je suis, d'où je viens, où je vais. Donc, quand elle connaît qui elle est, elle a travaillé sur elle. Donc, c'est une femme d'abord qui sait qui elle est, d'où elle vient, où elle va. Elle travaille sur ses manquements et elle décide de faire quelque chose de ses mains. C'est une femme qui ne se laisse pas marcher par un homme. C'est une femme qui ne dépend pas d'un homme. C'est vrai que l'homme, il est là, on a besoin de l'homme dans sa vie pour nous soutenir et tout. Mais c'est une femme qui, si son mari a besoin de quelque chose, elle est capable aussi de sortir quelque chose de son compte pour dire, hey, tiens, chérie, voilà ce que moi aussi je peux apporter. Donc, c'est plus le genre de femme qui était comme à l'époque avec les grands-mères, tu as ce mot-là, tu attends ce mot, tout vient du mari. Donc, c'est une femme qui est, je peux dire, un peu indépendante financièrement. Qui est le soutien là pour son mari. Donc voilà un peu. Surtout qui sait qui elle est, d'où elle vient et où elle va. Donc voilà un peu
Ok, comment est-ce que je peux dire pour moi une femme du 21e siècle? C'est vraiment important ce que tu as signalé, qui sait qui elle est, où est-ce qu'elle va, d'accord, et d'où elle vient, ce dans quoi elle va. Vraiment, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes sœurs-là qui ne savent pas, en fait, qui sont perdues, parce qu'il y a plein de sœurs qui sont perdues. Des sœurs, par exemple, et on va parler terre à terre, hein, ce n'est pas la plateforme, ce n'est pas pour dire que non, non, ce n'est pas l'Église, nous parlons des réalités, parce que les gens sont trop cachés dans l'Église. Et vous m'entendez dire, je dis du cru, je crie, je parle des réalités, parce que les gens souffrent, parce qu'on ne leur parle pas des réalités, en fait. Ce n'est pas l'Église. Donc, si vous vous sentez offusqué, vous vous sentez, je ne sais pas, vous avez la mémoire sensible, sentez-vous clair de partie, il n'y a pas de problème, on parle sérieusement parce qu'on veut sauver les âmes, en fait. Ce n'est pas du sugarcoating. Donc, je suis désolée, je m'excuse déjà d'avance, quoi. Sans être machin. Non, vraiment, tu parles de ce qui est là, en fait. Qu'est-ce que tu dirais de cette jeune fille-là comment dire, a cette mentalité de dire, OK, ben, je ne peux pas vivre si je n'ai pas un papy sugar, pour exemple. C'est-à-dire que, comment on appelle ça encore en français? Il y a un sugar daddy. C'est-à-dire qu'un papa gâteau ou bien ces jeunes filles-là qui sortent Un avec vieux moustine, des on vieux dit ça chez nous, pères vieux pour moustine. être entretenues, qu'est-ce que tu parles de ces jeunes filles-là qui se disent que, oh non, si je n'ai pas un papy dans ma vie, en fait, elles sont étudiantes, d'accord, mais elles se disent qu'elles ont besoin d'un vieux, généralement des hommes mariés qui sont déjà engagés quelque part. Et c'est elles qui, en fait, qui sont les maîtresses, en fait, qui sont les go d'à côté, en fait, comme on peut le dire. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à cette jeune sœur? Et je dis encore, les propos qu'on dit ici, ce ne sont pas pour vous accuser. Je dis encore, ce n'est pas pour accuser qui que ce soit. C'est pour faire en sorte qu'on puisse prendre conscience du danger qui nous anime lorsqu'on se déroute de la voie que Dieu nous donne. Vas-y, ma chérie. Bon, moi, je dirais à cette sœur-là qui, non seulement qui pense que pour avoir une vie meilleure, il lui faut un homme qui va tout faire, répondre à ses besoins. Pour avoir, exemple, tu veux une belle chaussure, il te faut un vieux, quelqu'un de marié pour prendre soin de toi. Je lui dirais que de faire battre, de s'asseoir, de se demander. Parce que dans tout ce que nous faisons, je me dis toujours qu'il ne faut pas faire les choses pour faire. Il faut faire un truc de manière que tu peux te regarder dans le miroir. À Est-ce fait. que quand elle le fait, est-ce que quand tu le fais, est-ce que tu peux te regarder dans le miroir? Est-ce que ta conscience est tranquille en faisant tout ce que tu fais? Parce que quand tu fais quelque chose, tu n'as pas de paix. Pour moi, en fait, je ne vois pas pourquoi continuer dans quelque chose qui te prend ta paix, en fait. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'un vieux Mushina ou bien d'un Daddy Moutine, Sugar ou. j'ai d'abord entendu l'expression. Ouais, en fait, c'est comme ça qu'on appelle ça au Congo, vieux Mushina, c'est-à-dire que quelqu'un à qui tu soutires de l'argent, quoi. Donc, tu n'as pas besoin forcément de ça. En 2019, on va pratiquement, comme a dit la coach, on va pratiquement au 22e siècle. Donc, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça, tu y es capable. Donc voilà pourquoi j'ai dit au début que il est fondamental de savoir qui tu es, d'où tu viens et où tu vas. Parce que c'est en fait un système de pensée, parce que nous sommes tous le résultat de ce qui nous entoure, de notre éducation qu'on a reçue. Et c'est à nous d'aller chercher en profondeur de ce que Dieu dit de nous. Donc je ne pense pas que ce soit nécessaire en 2019, on va en 2020. Je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir un vieux machine en Vraiment, vieux Mouchina, 2020, c'est même l'esprit. Quand tu entends même le mot là, vieux Mouchina, ça te fait 2022. pas tressaillir, ma jeune sœur. Hein? Et j'ai fait tout un live il y a peut-être 2 ou 3 ans, les conséquences sur les dangers de sortir avec un homme marié. Va taguer ma mot ici, les dangers de sortir avec un homme marié. Tu vas écouter ce que je dis dedans parce que ce sont des vérités. Je ne sais pas combien de vieux elle a, mais ce sont les réalités qu'on ne dit pas en fait. Et comme elle parle de vieux Mouchina, tu n'as pas besoin de ce vieux Mouchina, tu as besoin de savoir qui tu es. Si tu es là à l'école, tu te dis, oh, peut-être je suis d'une famille qui n'est pas aisée, le Seigneur a une voie pour toi. Mais le plus important, d'accord, c'est de vraiment avoir cette direction-là. Mais qu'est-ce que tu peux dire à cette soeur qui est toujours en train de. Qu'est-ce qui est là en fait? Elle connaît en fait ce que tu dis là, elle écoute ce que tu dis, mais elle est toujours en train de dire, oh, non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça, en tout cas moi. Non, je me cherche, je vis ma vie. Je n'ai pas besoin de ça, en fait. Qu'est-ce que tu lui dis? Parce qu'on a toujours une petite soeur qui est têtue quelque part, là, à qui tu donnes des... Oh, c'est la réalité. Qui sait que non, tu racontes ce que tu as à la grande soeur. Ah, toi, tu dis peut-être que tu es au state, que tu es en train de dire ça. Qu'est-ce que tu peux lui dire, en fait? Que peut-être toi, tu es à percer, comme on peut le dire. Mais moi, je suis là, tu me dis, non, il faut pas. Moi, j'ai besoin de ça. Je fais comment? Il y a la galère, il y a la galère. Qu'est-ce que tu lui dis? Ouais, bon, moi, ce que je dirais, premièrement, à cette personne-là, on peut beau te donner les conseils, mais tant que, en fait, les conséquences éduquent mieux que les conseils.
Quand tu vas te cogner la tête, le genre que toi-même tu dis, aïe, pourquoi j'avais pas entendu? Là, peut-être tu comprendras. Et puis, je pense qu'en 2019, on va en 2020, tout est dans ton système de pensée. Si tu te dis que c'est le vieux Mouchina qui va faire que ta vie puisse changer, personne ne peut changer ça. Aucun conseil ne peut changer parce que c'est ce que tu penses en fait. C'est ce que tu penses. Mais je pense que peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe le pays où tu es, si tu te dis que moi, Great Lady, je suis créatrice de richesse, tu vas créer de la richesse. Amen. Donc, tout est dans ce que tu dis, dans ce que tu penses. Parce que moi, exemple, si je suis assise ici, là, c'est parce que, exemple, Coach Brissi a pensé que non, il était nécessaire peut-être pour elle que je passe dans cette émission. Elle a d'abord commencé à penser et ça l'a poussée à avoir une action de me contacter. Donc, quand toi, tu penses déjà dans ta tête que c'est un vieux Mouchina, forcément, tu vas chercher un vieux Mouchina. Maintenant, si tu commences à penser que, bon, OK, c'est vrai que je peux vivre une situation de crise, je suis dans un pays où la situation est difficile, mais tu prends cette crise-là comme une opportunité. Tu peux être dans une classe. Moi, quand j'ai commencé une activité, c'est pas parce que je suis aux États-Unis, j'ai commencé une activité, j'avais 12 ans, j'étais au Congo. Amen. J'étais au Congo, mon père payait mes études, ma mère me nourrissait, j'avais un toit, j'avais même un chauffeur qui me déposait à l'école. Mais malgré ça, je vendais les choses à l'école. Je vendais ce qu'on Amen. appelle au Congo. En Afrique, il y en a partout. On appelle ça les toffees. C'est fait à partir de lait, tu le fais toi-même. Oui, Je les ne mettais pas toffées, dans les ouh, pots, je y a les bonnes vendais. choses, les vraies choses. Voilà, je vendais ça à mes collègues de classe. Quand je suis arrivée au collège, je suis arrivée en stade où je vendais les parfums, même des sous-vêtements, je les ai vendus dans ma classe. Mais ce n'est pas que parce que j'étais trop dans. Ce n'est pas l'argent, tout. Tout est en fait dans le système de mentalité, le système de pensée. Parce que tel tu penses, tes pensées te poussent à l'action, créent tes actions. Et tes actions créent tes habitudes créent ta vie. Donc, tout est d'abord dans le système de pensée. On peut te conseiller, on peut te dire, hey, fais ceci, fais cela. Mais si ton système de pensée n'a pas changé, si toi-même aussi tu n'as pas décidé de changer, no one cares. Personne ne va changer en fait. Personne ne va changer ta vie. Parce que ta vie, c'est toi qui la décides. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à une C'est sœur vraiment qui doute magnifique comme tu sur dis, ta votre vie, c'est sorti. vraiment toi qui la décides. Et j'aime bien cette phrase que tu as dit au début. C'est quelque chose que ma maman dit tout le temps, en fait, que les conséquences paient mieux que les conseils. Quand elle me donne des conseils, tout ça, que je dis, et je dis toujours que ma maman, c'est mon premier mentor. À chaque fois qu'elle me parlait de quelque chose, ça ne fait pas ça. Mais je disais, on est têtu, on était têtu. Non, on ne peut pas mentir, hein, on a tous grandi dans la têtutesse. Et non, en tout cas, moi, personnellement, j'étais vraiment têtue et tout. Et elle me disait, non, Brissia, les conséquences paient mieux que les conseils. Mais comme elle dit, là, quand tu te cognes la tête, tu pleures. Tu pleures, maman, tu cherches de l'aide, mais c'est déjà dans la bêtise, en fait. Et des fois, excusez-moi, des fois, cette bêtise, en fait, est déjà faite au point que c'est irréparable, quoi. Mais pendant que tu es en train de chercher de l'aide, tu as gaffé. Et rien que cette prise de conscience, c'est comme elle disait, se regarder dans le miroir et voir, mon Dieu, j'aurais pu éviter cela si j'avais écouté. J'aurais pu éviter cela si vraiment. Excusez-moi. J'aurais pu vraiment éviter cela si j'avais vraiment. Écoutez les conseils de ma sœur. Tu as une jeune sœur aujourd'hui qui te dit que non, elle a commencé son entrepreneuriat, elle va à l'école en temps partiel. Tu peux te dire que ben oui, tu es aux États-Unis, que non, ou bien tu peux être en France et tu te contentes seulement de ce que tu as là et tu ne fais rien. Demain après-demain, quand l'argent là arrête de tomber, tu te retrouves seule. Quelque chose peut arriver à papa. Quelque chose peut arriver à. Parce que beaucoup sont là en fait. Quelque chose peut arriver à papa, quelque chose peut arriver à maman. Il y en a qui disent non, j'ai besoin. Papa, ça arrive. Chaque fin du mois, tu vas recevoir. Chaque fin du mois, tu reçois les Western. Le jour où papa part, on touche du doigt. Ou le jour où papa, maman part, tu fais comment? Tu fais comment en fait? C'est cette dépendance dans laquelle nous a mis ce soi-disant confort. Et c'est cette prise de conscience à laquelle on avait qu'il est temps aujourd'hui de se lever et dire que demain après-demain, s'il arrive quelque chose à mon père, c'est par prévention et par préparation à l'inconnu parce que à l'impossible, nul n'est tenu. Et personne ne connaît. Personne ne connaît ce dont sera fait demain. Elle dit aujourd'hui qu'elle vendait les toffees. Moi-même, j'ai commencé à me rappeler mon premier commerce. Je vendais les bonbons de 10 francs, 5 francs à l'époque. C'est mon premier commerce que j'ai commencé à faire. Non, c'est quoi? Non, le Cerelac. Le Cerelac. Je ne sais pas si vous vous rappelez du Cerelac. J'ai vendu le Cerelac, la cuillère de Cerelac à 5 francs. C'était la première chose que j'ai appris avant. Pourquoi? Parce que je regardais ma maman, qui était fonctionnaire, mais ma maman se débrouillait. Quand elle rentrait à la maison, elle faisait les choses. Et j'ai mis tout ça dans un cours que j'ai même vendu il y a 2 ou 3 semaines que j'ai lancé. Et quelqu'un a eu le courage de me dire, il n'y a pas que l'argent, coach. Il n'y a pas que l'argent, ma soeur. Et le prix même de ce cours-là, j'ai dit, mon Dieu, vous êtes même sérieux? Et quand je dis aux gens que non, là, le problème, ce n'est pas l'argent, le problème, c'est vraiment là.
Parce que pour avoir l'argent, tu dois dépenser l'argent. Laissez-moi dire ça doucement. Pour avoir de l'argent, tu dois dépenser de l'argent. Tu ne peux pas t'asseoir dans la maison, tu dois manger. On va pas donner un truc gratuit au marché, tu dois dépenser, tu dois donner de l'argent. Il y a un échange qui se passe. Pour avoir de l'argent, tu dois dépenser de l'argent. C'est aussi ironique que cela. Donc, quand tu dis, on te vend un cours, on te dit un cours, le cours, c'est pas comment, combien, comment avoir de l'argent dans la galère. Je pense que c'est quelque chose, c'est sur ma page. Si vous regardez, vous allez voir ça. Toutes ces femmes-là, toutes ces personnes qui sont là, qui ont les jeunes frères qui les dérangent, qui ont les jeunes soeurs, je vous conseille de prendre ce cours-là, cadeau de Noël. C'est vraiment gratuit. Le prix n'est pas vraiment, c'est à la portée de toutes les bourses. Commandez ça, allez demander. Le cours à peine 30 minutes, mais vraiment plein de sagesse, plein d'expérience, plein de comment dire, de mots de tête. Parce que j'utilise dans ma sagesse, mon expérience, et bien sûr, la mission que Dieu a mis à l'intérieur de moi, d'éveiller les consciences. De prendre conscience que tu dois commencer à te lever. Si c'est l'étoffer que tu sais faire, va faire t'étoffer à tâche, tu vas t'étoffer. Les autres vont se moquer de toi. Mais je dis encore, à la fin de la journée, ce n'est pas eux qui vont venir payer ton école. Ce n'est pas eux qui vont te donner à manger. Ce n'est pas eux qui vont payer. S'il y a quelque chose qui se passe, ce n'est pas eux qui vont te vêtir. Ce n'est pas eux qui vont te vêtir. Et chacun a son histoire. Même dans les États-Unis où nous sommes ici, là. Moi, j'ai vendu les glaces. J'ai vendu le lait. Les gens se regardent, oui, j'ai vendu le lait. Et ce n'est pas l'amusement. Quand les gens se regardent, non, tu... Et on dit bien la bénédiction est dans les mains de celui qui vend. On refuse de vendre, c'est Non, pour il ça qu'on est pauvre. Tu as honte de te mettre devant la maison, mais tu te promets, tu dis, oh non, par exemple, Grédé, là, envoie-moi l'argent, c'est plus facile. Grédé, dit, quelqu'un te demande d'envoyer l'argent, on prend le cours, tu lui envoies le cours là, qu'il apprenne à lui-même. Toutes ces personnes, je vous assure, toutes ces personnes qui sont là connectées. Allez acheter ce cours cadeau de Noël, c'est gratuit, presque gratuit, envoyez ça à vos frères. Parce que tu es là, des fois, tu es là, tu es dans, tu es tellement, tu fais tu es là, tu es étudiant, mais tu as les gens qui te dérangent, parce qu'ils disent, non, peut-être tu es en France, ou tu es quelque part, ou même si tu es au pays, les gens te dérangent. C'est la connaissance qui libère, c'est la connaissance qui apporte de la valeur, c'est la connaissance qui fait que ta vie change. On ne veut pas apprendre, on ne veut pas investir, mais on veut recevoir les bénédictions. Ma soeur, let's come and go. Alors, tu nous as dit très bien, la créatrice. La créatrice, c'est ce que tu as. Qu'est-ce que tu as créé? Vraiment, qu'est-ce que tu as créé d'abord? Et quel est le message derrière la marque? D'où te vient cette année? Je sais que derrière chaque marque, il y a tout un message, il y a toute une inspiration. Donc, raconte-nous l'histoire de Avia Beauty. S'il te plaît. Ok, en fait, comme j'ai dit, je suis la créatrice, ma compagnie, c'est Avi Empire. Et Avi Beauty est une des branches de Avi Empire. Donc, ça, c'est souvent parfois les gens ne comprennent pas. C'est pas que Avi Empire, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est le nom de ma compagnie. Et Avi Beauty est une des branches de Avi Empire. Donc, comment tout ça a commencé? Bon, je dirais d'abord que je suis arrivée aux États-Unis en décembre 2010, 2018. Oui, décembre 2018. Qu'est-ce que je dis? Décembre 2000, 2016, pardon. En décembre 2016. Quand je suis arrivée, j'étais arrivée dans un milieu où il y avait des gens qui m'avaient reçu. Mais ce que j'avais remarqué, c'est que les gens étaient busy. Donc, le mot que j'écoutais plus, busy, 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 le busy. mot magique. Le mot magique, je dis, ah, c'est quoi l'histoire, tout le monde est busy là? Ça fait que, ah, je suis busy, je te rappelle. Tu veux quelque chose? Ah, je suis busy, je suis busy. Parce que quand j'étais arrivée, comme ceux qui vivent aux États-Unis le savent, aux États-Unis, on ne prend pas les bus partout. Les bus ne vont pas dans tous les quartiers et les bus ont des heures d'arrivée. Donc, parfois, tu as besoin qu'une de tes soeurs peut-être te dépose, mais tu lui fais un message comme ça, je suis busy. Ah, tu dis, c'est bon, ok. Donc, c'était le mot qui revenait le plus. Et j'ai vu le style de vie, même quand tu allais à l'école, tout le monde courait derrière le temps. Tout le monde courait, courait, courait. C'est vrai que c'est le style de vie aux États-Unis. Et moi, je me suis dit, ah, Seigneur, donc moi aussi, c'est comme ça, je veux vivre aussi. Non, moi, je ne veux pas vivre de façon que même mes enfants, le bus arrive, il faut que je cours. Donc, il faut déjà que je sois là parce que je dois quitter le boulot à temps et les embouteillages. Donc, tu dois toujours courir. Je me suis dit, non, je ne veux pas vivre une vie. Toujours en train de courir. J'aimerais bien avoir une activité où moi-même je suis le boss. Et je travaillais aussi comme aux États-Unis. Les boulots sont faciles. Aux États-Unis, si tu veux avoir un boulot, c'est pas un schéma, quoi. Il y en a partout. Tu applies juste quelques jours, on t'appelle, tu as le boulot. Donc, j'avais un boulot où je travaillais aussi, mais tu travailles, on ne te traite pas bien. Il y a toujours ces différences entre les noirs et les blancs. Parfois, ton Même ami entre les blanc, noirs on et les essaie de noirs, donner tu le vas boulot. loin. Tu vois, il y Tant a que tu toujours sais. ça, les Noirs américains, c'était toujours. Il y avait une attitude que je n'aimais pas partout où je passais travailler.
Tu vois, parfois tu fais mieux que même ton ami blanc, mais ton ami blanc, quand te donne son salaire per hour, c'est toujours plus que toi. Je n'ai pas aimé ça. Et quand j'en parle à ceux qui étaient ici depuis, ils m'ont dit non, c'est toujours comme ça. Il y a toujours ce petit racisme-là partout où tu vas, c'est toujours comme ça. J'ai remarqué ça. Mais malgré ça, tu vois, tu étais nouveau, tu es arrivé, tu continues. Et je crois, il y a six l'année passée, je travaillais quelque part. On me payait bien, j'avais l'assurance, j'avais vraiment. C'était un bon boulot. Et je faisais vraiment. Je donnais le meilleur de moi. Et un matin comme ça, je me réveille, je vais, je sors, je reçois un appel. On me dit que non, on ne revient plus, tu ne peux plus travailler. Wow. Je dis, what? Wow. Je dis, les demandes, vous êtes sérieux, are you serious? Il y a eu des gens qui sont allés dire des choses sur toi, donc on ne veut plus que tu viennes, merci pour tout ce que tu as fait. J'ai dit, bon, ok, d'accord, merci pour l'expérience, c'est pas grave. Mais à l'époque, là, c'était mon main boulot. Il faut reconnaître que depuis que je suis arrivée aux États-Unis, je vis à mes propres frais. Donc, on t'appelle un matin comme ça que tu n'as plus de boulot. Donc, tu as la maison à payer la fin du mois. Tu as l'assurance sur la voiture à payer. Tu as le gaz à mettre dans ta voiture. Tu as ceci, tu dois te nourrir. Tu commences comment? Je suis restée là, je dis, Seigneur. Et quelque temps avant que je ne perde mon boulot, il y avait une voix en fait qui me disait que je dois aller à un autre niveau. Il y a quelque chose qui brûlait en moi. Je disais ça à une amie avec qui on prie souvent. Je lui disais, Et tu I dois don't aller know où? why. But, tu dis, J'ai pas compris que tu dis que tu dois aller où? Excuse-moi de t'interrompre. à un autre niveau de ma vie en fait. Mais la voix en fait brûlait au-dedans de moi, je dois aller à un autre niveau. Mais je ne savais pas comment aller à un autre niveau. Tu vois? Et au moins peut-être 2 ou 3 jours après, je reçois l'appel là que j'ai perdu mon boulot. Et c'était le boulot où, qui payait toutes mes factures. Donc j'étais là, j'ai mis les mains à la tête. Donc le temps, tu vas appeler, le temps des interviews, le temps. Fallait maintenant réfléchir, faire quelque chose. Et cette voix qui me disait d'aller à un autre niveau, c'est là où je m'assois. Je sortais aussi d'une formation. Donc je sortais d'une formation et je m'assois, je dis, oh mon Dieu, et si je créais ma propre compagnie? Et si je créais? Donc c'est là où est né Avis en Paille. Et je m'étais dit, bon, ok, j'ai souvent le problème de cheveux moi-même. Parfois, il faut trouver quelqu'un pour te tresser. Ça coûte trop cher. Vendre les perruques vont aussi aider beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être certainement, qui, comme moi, aimeraient avoir des perruques. Donc, c'est là où je me suis lancée dans la vente des produits capillaires, des mèches au début. Donc, c'est comme ça. La vision, c'était d'abord moi-même de sortir de ma zone de confort, de ne pas dépendre que de mon boulot à 100%. Et d'aider d'autres personnes aussi à créer la richesse, à créer quelque chose, à avoir une activité. Mais tout ça en étant à ta maison sans te déplacer. Donc moi, ma vision au long terme, c'est que quand je vais être maman, je vais être enceinte dans quelques années, dès là quand le bus de mes enfants arrive, de les déposer à l'école sans être en train de running, de courir. De les recevoir, de ne pas avoir besoin d'aller les déposer trop au décaire. C'est vrai que ça peut arriver, j'allais les déposer en décaire, mais c'est de surtout être présent pour eux. Parce qu'il faut reconnaître que le système aux États-Unis est fait de façon que tu n'es presque pas là pour tes enfants. Tu es tout le temps parti, tu es tout le temps parce que tu as des factures à payer, parce que tu as des responsabilités à répondre, parce que si rien n'est gratuit, tout est payant. Donc voilà un peu. Ce qui m'a poussé à créer Avi Empire et donc Avi Beauty est comme la branche phare qui fait connaître Avi Empire. Mais Avi Beauty, comme on dit toujours, le one thing, tu commences par une seule chose, mais la vision, elle est grande, elle est large. Et voilà pourquoi le nom même dit Avi Empire, parce que c'est vraiment quoi, c'est ce que j'ai dans ma tête pour cette compagnie-là. Donc voilà un peu. Et le message, c'est d'aider les gens à eux aussi avoir une activité, à travailler de sa maison sans se déplacer. Donc, je peux être à l'école, mais avec mon téléphone, je book mes commandes. Avec mon téléphone, je réponds à mes clients. Juste avec mon téléphone, je parle avec des gens, même à ma pause ou quoi. Donc, c'est ça le but de pouvoir travailler où que je sois sans avoir besoin de courir, sans avoir besoin de ne pas être là pour mes futurs enfants. Donc, voilà un peu la vision. Et l'idée derrière, c'est d'aider d'autres aussi à aller faire la même chose, à aller reproduire la même chose en ayant une activité. Bien que tu peux avoir ton boulot, mettre ton partiel à ta pause, tu as payé ton téléphone, tu as ton ordinateur, tu as juste besoin d'Internet pour travailler avec Avi Beauty, tu as juste besoin d'Internet pour travailler avec Avi Empire. Donc voilà un peu
la vision derrière. Non, c'est vraiment très, c'est magnifique. Coucou à celles qui se connectent. Nous sommes là avec une invitée spéciale, Great Lady, qui nous parle en fait de son rêve de Avi Empire et qui inspire et qui devrait normalement inspirer plus d'une personne, qui est une jeune dame qui, toi, peut-être tu es là, que tu sois aux États-Unis, en Europe et tout, et tu te poses la question étudiante, tu te poses la question de savoir si vraiment tu peux commencer quelque chose, si vraiment en fait tu dois t'asseoir et attendre que papa, maman s'occupe de toi, quoi faire. Elle a fait, elle a osé, parce qu'il faut oser. Et en fait, comment dire, elle devrait être, elle est une source d'inspiration pour beaucoup. Et vraiment, comment dire, on est là avec elle, en fait. Donc, pendant que nous sommes en train de parler, si vous avez des questions, bien sûr, on aura la séance questions juste après. Mais si vous avez des questions pendant qu'on parle, n'hésitez pas. Si vous pensez à une jeune sœur qui est là, qui est en train de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie, pourquoi ceci, cela, taguez-la, nous sommes là. On tague souvent les bêtises. Quand il s'agit des bêtises, quand il s'agit d'aller manquer de respect aux gens, quand il s'agit d'humilier les femmes comme nous, c'est là où tu vois des milliards de personnes et moi, je ne suis pas pour la négativité. Tout ce que je fais, en fait, ce n'est pas le nombre qui m'intéresse, ce sont les vies qui sont changées. Je m'occupe des âmes et pour s'occuper des âmes, vraiment, il faut faire très attention, en fait. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Donc, je ne suis pas là pour la négativité, je suis pour la positivité. C'est pour ça que je dis qu'avec amour, tague une personne qui a besoin d'entendre ça. Tague une jeune amie, tague une autre amie. Au lieu de taguer l'amie, venez faire l'ambiance. Tag, venir écouter en fait, viens écouter comment dire, le témoignage d'une autre sœur en fait qui se bat comme toi, qui a des rêves comme toi parce que c'est beau de rêver en fait. Tu t'es levé ce matin, tu rêves. Tu t'es levé ce matin au lieu de te plaindre. Tout ce mois en fait, dans mes différents groupes, on fait le challenge de la gratitude en fait. On se plaint tellement, on se plaint tellement dans notre vie et c'est pour ça que nous avons tellement de problèmes en fait. Cela ne veut pas dire que notre vie est parfaite, mais j'ai appris en fait à remercier le Seigneur pour ce que j'avais, pour le peu que j'avais. Mon compte en banque ne peut peut-être pas être rempli comme je veux. Je n'ai peut-être pas ce que je veux à 100%, mais je remercie pour le peu qu'il a. Et quand comment dire, tu es béni et tu sais remercier le Seigneur dans le peu qu'il t'a, c'est comme ça qu'il te bénit encore plus. Et demain, après-demain, tes greniers sont remplis parce que tu as pu être reconnaissante dans le peu qu'il t'a donné. D'accord? Donc vraiment, nous sommes là avec Grete Lely. Coucou à ceux qui se connaissent. Taguez quelqu'un. Partagez. Je n'ai pas besoin de vous dire de partager. Partagez vraiment. Si ça vous dit, partagez pour Pardon. bénir, pour bénir, pour bénir, pour bénir. En fait, il y a d'autres qui ne peuvent pas voir le live parce que c'est dans le groupe. Je ne sais pas si tu peux partager ça, donc je ne sais pas comment tu peux faire pour que d'autres aussi qui ne sont pas dans le groupe, parce que j'ai partagé dans le truc, les gens me disent qu'ils ne peuvent pas voir parce que tu dois faire l'adhésion au groupe. Donc, je ne sais pas comment on peut faire, ça C'est une va être page, dur. Bond for, c'est une page en fait. Qui cherche juste Bond for Purpose en fait? C'est une page, c'est pas un groupe. C'est C'est une une page publique. page, ok. Oui, c'est une page publique, c'est pas un groupe en fait. Donc tout Ah, ok, n'importe qui, d'accord. oui, si tape seulement Bond for a Purpose, n'importe qui peut regarder. C'est pas une page fermée, c'est pas un groupe fermé en fait, c'est une page. Donc elles peuvent Ah, venir ok, d'accord. regarder. Si elle clique seulement D'accord. sur le lien, tape seulement Bond for a Purpose et ça va, elles vont venir en fait. C'est une page, c'est ouvert. Donc tu connais une D'accord, sœur qui est d'accord. là qui se pose la question de savoir pourquoi tu es une sœur. Vraiment, qui est peut-être dans une relation abusive. Hier, je parlais de relations abusives et tout. Je parlais de comment il est important d'éduquer la femme. C'est très important aujourd'hui, mes chéris. Je vous en supplie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous a habitués à la prolifération des églises et tout ça là, mais le peuple de Dieu pleure. Le peuple de Dieu est de. Comment dire? Et comment nous sommes les plus. Ceux qui devons vraiment prospérer, nous sommes ces personnes-là qui souffrent le plus. Et vraiment, ce n'est pas manque de connaissances. Ce n'est pas par manque d'amour. On aime, hein, on aime l'amour et tout ça là. On a les idées, mais on meurt par manque de connaissances. On manque par mort de connaissance. Donc, viens écouter, viens apprendre, viens recevoir, d'accord? Pour que vraiment, quand tu vas commencer cette nouvelle année, cette nouvelle décennie, ce vent-là ne va pas te rejeter, ce vent va t'apporter, en fait. Si comme je dis, si tu dois attraper le pied de la moto, le pied de la locomotive, tu l'attrapes. Si tu dois attraper l'aile, tu attrapes. C'est-à-dire que tu dois. Ah. Écoutez ma voix, oui. Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Je dis encore, je n'ai pas les paillettes, mais je vous assure. Ne négligez pas les petits palmiers qui sont à côté de vous. Parce que chez nous, il y a un problème. On a le culte de la personnalité. Et c'est ça qu'on est en train de rejeter. Je vous en supplie. Écoutez ma voix. Ma voix ira de millénaire en millénaire. Ma voix, c'est ce que Dieu m'a donné. Écoutez mon message. Ne négligeons plus les gens qui sont là devant nous. Il y a des gens que Dieu a mis sur ta voie pour t'apporter quelque chose. Il y a des gens que Dieu a mis sur ta voie. Parce que le diable, d'accord, met les gens sur toi. Oui. Dieu aussi met les gens sur ta voie. Mais comme la personne ne paraît pas comme elle est, comme tu veux, là, avec peut-être un grand costume, avec peut-être un grand titre, parce que nous, on suit le titre, on ne suit pas la mission. Moi, je suis en mission. Je ne suis pas là pour t'impressionner, je suis là pour te transformer. D'accord? Donc, c'est ça que je fais vraiment. Alors, bienvenue à celles qui sont là, taguez celles que vous pouvez voir.
Donc, on parlait en fait de la vision que tu as derrière, de pouvoir. Et donc, il y a des femmes qui peuvent travailler avec toi, en fait, dès maintenant, en fait. Voilà, Yachani dit, le live est dans le groupe Écho de femmes, non sur la page. Je ne sais même pas, en tout cas, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comment dire, Chani, tu peux même partager, en fait. Partage-toi, tu peux partager même le live. Et Laissez-moi voir si je peux je ne sais pas partager. quand Je tu peux parles, inviter je ne les sais pas membres, si. si on peut le dire. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais on va pouvoir le faire après. Parce que laissez-moi voir si je peux. Donnez-moi une seconde alors. Je ne sais pas. Facebook fait ses chichis, hein. Vous savez, on n'est pas la cause. C'est ça qu'il faut avoir. Les chrétiens doivent se lever. On doit créer nos propres. C'est-à-dire qu'on doit créer nos propres plateformes et éviter d'être dépendants. Ce sont les non-chrétiens qui ont le pouvoir. Ce sont les non-chrétiens qui ont le pouvoir en ce moment parce que les chrétiens, ils dorment. Les chrétiens sont à l'église. L'argent, ce n'est pas à l'église. L'argent est dehors. Merci Seigneur. L'argent est dehors. Et dit, monsieur, ceux qui sont dans le groupe Écho de femmes OK. qui peuvent le voir, ouais. Mais c'est pas grave, on peut On continuer va sur notre continuer. discussion. Je vais essayer de mettre partager sur ma page et puis vous pouvez partager à d'autres. OK? Je vais voir. Je vais partager sur ma page normale. Parce que c'est le groupe. Ce n'est pas un groupe, c'est ma page professionnelle et c'est une page publique. Donc, n'importe qui peut venir taper, n'a pas besoin d'être adhéré en fait. Et puis voilà. OK. Le live est dans le groupe parce que j'ai partagé dans le groupe moi-même en fait. Donnez-moi juste une seconde, excusez-moi. Il faut créer, mes soeurs, il faut créer. Il y a des scientifiques qui sont là, on a des têtes. Hein? Créez-nous notre Facebook avec des valeurs chrétiennes que vous pouviez imposer aux gens. Créez-nous notre groupe. Il y a des scientifiques qui sont là. Il y a des gens qui sont là, comment dire, ils sont des têtes. Mais ils sont là, ils s'enferment derrière. Oh, je suis seulement africain. Oh, non. Créez, 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 créez. Ce n'est qu'en criant que vous pouvez sortir de la galère. Ce n'est qu'en criant que vous pouvez changer le monde, en fait. Il y a des enfants qui créent tous les jours, qui s'élèvent tous les jours. Il y a des gens qui inventent des choses, en fait. Nous, on invente des bêtises. Nous inventons des bêtises. Arrêtez d'aller boire, dépenser votre énergie dans l'alcool et tout ça, là, le tabac, ça vaut l'énergie. Utilisez cette énergie-là, en fait, pour créer, pour vraiment changer la vie de vos contemporains. Facebook t'énerve, c'est bien, c'est le moment de t'asseoir et te regrouper avec des amis. Comment vous pouvez faire quelque chose de nouveau, en fait? Ce sont la vision. On vous parle de la vision, hein. C'est-à-dire que quelque chose, ça peut ne pas arriver du jour au lendemain, mais ça peut arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans, dans 1 an. Mais il faut avoir de la volonté. D'accord? Alors, comme ça, en fait, ma chérie. Comment en fait, pourquoi il est important que la femme sublime sa beauté? Sa Bon, je beauté pense en que fait, ses cheveux, en tout cas. Puisque tu parles des cheveux, la femme a pourquoi il est besoin de important? se sublimer. Bon, pour moi, en fait, la femme a besoin de se sublimer parce que, en fait, depuis toujours, la création du monde, la beauté de la femme, c'est quelque chose qui détruit même les nations. On a vu ça avec Esther. Même dans la Bible, on voit avec l'histoire d'Esther, c'est sa beauté d'abord qui va attirer le roi vers elle. Maintenant, cette beauté-là, de nature, la femme, elle est belle. Toute femme est belle. Mais elle a besoin d'ajouter ce plus-là pour sublimer cette beauté qui est en elle. Il arrive à toutes les femmes, tu es en train de marcher dans la rue, tu vois une autre femme passe, tu te retournes. Il n'y a aucune femme qui va dire, elle ne s'est jamais retournée pour voir une autre femme passer. Ça peut être que le corps de la femme là t'a plu, ça peut être son haut t'a plu, ça peut être ses cheveux. Mais souvent, la beauté de la femme passe par sa tête. Tu peux être belle, tu peux mettre le plus beau make-up, mais quand tes cheveux sont sales, ta beauté ne sort pas. Reprends ça doucement, reprends ça doucement. Reprends ça doucement. J'ai dit ceci. Tu peux être belle, tu peux mettre le make-up le plus cher. Tu peux aller chez le make-up artiste le plus réputé de ta ville, de ton pays. Et on va te faire le make-up. Mais si tes cheveux sont sales, ta beauté ne sortira pas. Ton make-up ne va pas donner. Donc, la beauté de la femme passe par ses cheveux. Voilà pourquoi nous, chez Avi Beauty, on a décidé d'abord de sublimer les femmes par leur tête. Voilà pourquoi on a décidé de sublimer les femmes par leur tête. Bon, maintenant, d'autres disent que non, les extensions, c'est pas de Dieu, que tout ça là. Bon, pour moi, en fait, moi qui suis derrière Avi Beauty, qui suis la victime de Avi Beauty, je me dis que Dieu, l'aspect extérieur importe peu pour Dieu.
Bon, pas vraiment, ça importe peu, mais Dieu, il voit d'abord l'état de notre cœur. Parce qu'il y a des gens ici, ils disent que non, je suis dans l'église, on ne met pas les extensions, on met que le foulard, mais tu mets le foulard, mais ton cœur ne reflète même pas le Dieu là. Donc, nous, voilà pourquoi chez Abibuli, la première des choses qu'on a décidé, c'était de subjuguer les femmes par leur tête, parce que la beauté de la femme se ressent lorsqu'elle est bien coiffée. Tu peux ou ne pas avoir le make-up, mais quand tu as bien coiffé, tu passes inaperçu. C'est Donc, magnifique parce voilà. que en riant, excuse-moi, vas-y, vas-y, excuse-moi. Non, voilà pourquoi nous, on a commencé par sublimer les femmes d'abord par leur tête. Et ensuite, on est passé par les yeux, parce que les yeux, c'est le regard. Donc, on avance petit à petit, on commence par la tête, on vient par les yeux. Et au fur et à mesure, on va descendre jusqu'à sublimer les femmes en beauté totalement, complètement. Donc, voilà un peu ce que je peux dire en ce qui Magnifique, concerne ça. magnifique. C'est quelque chose qui me fait penser à comment dire, un propos que j'ai tout le temps. Je dis toujours que tu peux avoir la plus belle tenue possible, mais quand tu as une belle coiffure, d'accord, tes ongles sont faits, tu peux porter un jean, d'accord, et tu passes. Et les gens regardent souvent, en fait. Ils disent, mais ça t'aime tellement le nianga. Je dis, parce que la femme doit être belle, et la femme doit être propre. Et quand, comme tu dis, tu as une belle coiffure, tu mets ton sac, tu mets tout ce que tu peux mettre. Je sais même pas comment dire en fait, c'est magnifique. Oui, c'est vrai, hein? Je pensais que je m'étais connectée dans Burn for a Purpose. C'est pas grave, je vais télécharger la vidéo sur la page Burn for a Purpose. Apparemment, c'est sur le groupe, donc c'est pas grave, c'est pas grave. On va arranger ça. Ok. Donc, c'est vraiment quelque chose en fait d'important. Et qu'est-ce que tu peux dire à cette sœur-là que tu as parlé du mentionné du foulard? C'est vrai que j'ai le foulard, mais mon foulard il est mignon. Mais c'est qu'est-ce que cette sœur qui aime bien le foulard, qui se dit que ben elle est anti-extension ou elle est anti, je ne sais pas quoi, elle a tout le temps les tresses au fil et elle dit oh vraiment personne ne me regarde. Qu'est-ce que tu peux lui dire, ma chérie? Bon, je peux lui dire, chacun de nous a ses préférences. Tu peux mettre ton foulard, tout est dans le style de l'attaché de foulard. Tu ne vas pas même attacher le foulard comme te dit ma grand-mère, tu as mis comme ça, là, tu as laissé, c'est tout. Non. Tu peux mettre ton foulard, tout est dans le choix et dans le goût de tout un chacun. Tu peux mettre ton foulard, mais tu décides, exemple, de sublimer tes yeux avec ton regard, en mettant, exemple, même des faux cils ou en maquillant tes yeux. Tu peux mettre ton foulard et décider de sublimer ta bouche. Donc, tout est dans la manière de faire. Mettre le foulard n'est pas quelque chose de mauvais. Il y a des gens qui mettent leur foulard. Tu peux être aussi dans une église, peut-être on ne se maquille pas. Mais il y a une manière que tu peux sublimer ta beauté. Ça peut être dans la tenue dans laquelle tu as mis, dans la façon dont tu te présentes, dans la façon dont tu marches, dans tes gestuels. Donc, tout est la beauté, en fait, et elle est relative, en fait. Chacun de nous définit la beauté selon sa pensée, selon. Pour quelqu'un, peut-être la beauté peut être le fait. Pour toi, la beauté peut être le fait que tu sois fou là. Mais moi, exemple, la beauté peut être le fait que peut-être j'ai mis mes fossiles. Peut-être le fait que j'ai maquillé ma bouche. Donc, ça dépend de tout un chacun. On ne va pas juger qui que ce soit. Chacun a ses choix, chacun a ses valeurs. Mais tout est dans la manière, la façon de faire. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Non, c'est vraiment en tout cas ce que tu dis parce que des gens deux fois se disent ben, ou elle va se dire ben, je ne connais peut-être pas me maquiller ou je ne connais pas je n'ai pas de raison parce que chacun comme tu as dit chacun a sa, chacun a sa, a son style mais aussi c'est pas à tous à qui on a appris comment prendre ses cheveux en fait. Moi, j'étais par exemple tomboy, c'est-à-dire ce que les Américains appellent tomboy. J'étais le genre, mon grand-père, père à son âme, il coupait tout le temps les cheveux. Mais tout le monde, mes mamans, tout le monde a grandi avec les cheveux courts, en fait. Et moi, étant la première petite fille, ben, j'étais le beau, j'avais les cheveux courts, en fait. Donc, pour apprendre à vraiment m'occuper de mes cheveux en tant que tel, pour vraiment me coiffer, il a fallu que je sois à un certain âge. Parce que c'est pas quelque chose. Pour lui, c'était la femme, ne doit pas perdre de temps à faire les cheveux, c'était ça, l'ancien temps. Donc, quelqu'un qui grandit comme ça, et à un moment, tu te rends compte que c'est vrai que tu dois te regarder parce que, encore, même dans la Bible, comme une fois, on parle que c'est ta couronne, en fait. Et c'est très important. Ta coiffure te représente. Si tu vois une femme qui sort avec les cheveux, tu vas sentir que celle-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Aussitôt, en fait, tu peux sortir avec, je sais pas, un pantalon, genre bizarre, on ne va pas trop regarder, mais si tu sors avec tes cheveux, genre là, les gens vont commencer à dire que, ah, ma soeur, remarquez, vous pensez que ça devait remarquer. Vous allez voir votre soeur, tu vois, peut-être le fil est quelque part, ou bien le foulard. Tu as dit que, ah, maman, il y a quelque chose, ça va, mais elle peut avoir son haut, peut-être comme ça, son pantalon, je ne sais pas. Les gens ne vont pas regarder. Même les babouches là, comment on est, chic-chac, bizarre.
On va pas regarder tes pieds, mais si tes cheveux sont genre, les gens vont te regarder que. C'est la réalité en fait. Donc vraiment, vraiment, c'est quelque chose auquel on doit faire part. Et il y a les coiffures sont variantes en fonction de ton goût, en fonction de ta poche. Et aujourd'hui, en fait, est-ce qu'on peut avoir l'excuse que non, vraiment, je ne peux pas m'avoir la coiffure que je veux parce que je n'ai plus d'argent en tant que connaisseuse dans ce métier-là, en fait. Est-ce que l'excuse de l'argent, est-ce que l'argent peut être une excuse aujourd'hui? Non, bon, mais je ne pense pas que l'argent peut être une excuse aujourd'hui. Parce que de nos jours, il y a même des astuces sur YouTube, juste avec tes propres cheveux. Tu peux faire un pompon. Tu peux mettre le gel là, tu fais tes baby hair, tu sors bien. Donc, la beauté en 2019, en 2020, ce n'est pas question d'argent. En fait. Tout est dans ta volonté de te sublimer. D'abord, tout aussi part par ton identité. Donc, tout part dans les trois questions fondamentales de la vie. Parce que moi, où je suis assise ici, après que j'ai commencé à travailler sur moi, le Seigneur m'a révélé que j'étais Great Lady. Moi, après mon Great Lady, ce n'est pas en deux mots comme ça se crie normalement en anglais. Pour moi, c'est un seul mot parce que c'est comme un nom personnel que j'ai reçu de la part du Seigneur. Donc, moi, exemple où je suis assise ici, je sais que je suis Great Lady. Donc, peu importe où je vais, dans ma tête, je suis une Great Lady. Et en tant que Great Lady, en tant que mon identité que le Seigneur m'a révélée, je ne me présente pas, comme on dit chez nous, wambla, wambla, façon, façon. Je me présente en tant que qui je suis, en tant que mon identité. Donc, partout où je vais, je dois m'arranger. Maintenant, si toi, tu ne sais pas encore qui tu es, tu n'as pas encore, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas, c'est normal que tu te présentes wambla, wambla, parce que ça te dérange, ça te fait ni chaud ni froid. Il y a beaucoup, comment il y a beaucoup d'expressions qu'on entend, hein? You wambla wambla. Ouais, Wambla tu wambla, marches, c'est-à-dire que wambla, wambla. coiffure, C'est-à-dire coiffure, que niafou, tu niafou. t'en fous, quoi, hein? Tu t'en fous. Tu t'en fous parce que tu ne sais pas qui tu es. Mais par contre, tu as là comme ça peut être que le Seigneur, c'est vrai, ce n'est pas à tout le monde que le Seigneur révèle ton nom, ton identité en forme de nom. Mais tu sais qui tu es. Exemple, tu la coach boursière, c'est qu'elle est une coach. Donc, sa tête, elle sait qui elle est. Donc, elle a toutes ses épaules. Tu ne vas pas quitter là-bas. Tu vas venir lui dire ceci et puis ça va lui déranger. Elle-même, elle sait qui elle est. Donc, en conséquence de cause même, seulement ça affecte déjà sa psychologie. Quand elle va venir se présenter, elle va se présenter en tant que qui elle est, tu vois. Mais tu vois une femme qui se néglige, qui est wambla, wambla. Donc, c'est-à-dire que elle s'en fout. Et quand tu vas parler avec elle, tu vas savoir que c'est une femme qui ne connaît même pas encore son identité. Parce que connaître son identité, ça fait dans tous les domaines de ta vie, même dans le choix de ton conjoint, même dans tes relations avec les autres, dans les gens avec qui tu marches, ça affecte tout dans ta vie. Donc, une femme qui se néglige, c'est une femme qui ne sait pas encore tout qui elle est. Point. Il n'y a pas de virgule. Point. Parce que quand tu as travaillé Period. sur toi, tu peux Et ça passer fait qu'il chez est les gens comme toi period. qui disent ça. Yeah, period. Il n'y a pas de. Non, c'est period. That's it. Il n'y a pas de discussion sur ça. Quand tu as travaillé sur toi, tu as guéri de tes traumas. Tu es passé par les gens comme Coach Brissia, tu as guéri de tes traumas. Mais tu sais qui tu es. Tu t'appropries ton identité et tu t'habilles en conséquence de cause. Tu t'habilles pas parce que tu veux. Moi, je m'habille pas sincèrement. Je m'habille pas pour impressionner qui que Coucou ce ma soit. série, Je bienvenue. m'habille en tant que Great Lady que je suis. Donc, il y a des actions que tu vois, les gens, ils font, tu te dis, ah, si j'étais encore à l'époque où j'étais à Velle, la personne-là, j'aurais l'air à redresser. Mais quand tu prends ton identité en tant que Great Lady, tu fais backup, tu vois, tu rectifies le tir. Donc, c'est un peu ça pour dire aux gens qu'une femme qui se néglige en 2019, en 2020, elle n'a pas encore travaillé sur elle. C'est tout, period. Period. C'est tout. Quand tu travailles sur toi, tu vas même pas rester les cheveux sales, ça va te déranger. Parce que tu vas te dire, oh Seigneur, non. Non, quand même, une cause, tu ne vas pas rester avec les cheveux comme ça, non. Je dois aller m'arranger. Donc, mentalement, ton identité te suit dans tout, en fait. Normalement. Il y a des fois, tu vois les gens, ils ont des attitudes, tu te dis seulement, ah non. Même quelqu'un veut bien être ton ami, mais quand vous parlez, tu sens que non. Tu vois, donc toute l'identité, en fait, te suit dans tout, en fait. Ton identité te suit dans tout. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Une femme qui trouve que se faire belle, ça demande trop d'argent, se faire belle, c'est une personne qui n'a pas encore travaillé sur elle, c'est tout. C'est ce que je peux dire. Non, merci, merci en tout cas. Est-ce qu'on peut dire, déjà on peut se dire, ok, oui, vraiment, elle est là, elle a l'air, tout va bien pour elle et tout. Est-ce que ça a toujours été comme ça en fait?
Non! Alors Et que toi, la sinon, langue de souris, quel est le d'accord. prix que tu as dû payer? Parce Oh, qu'on dit souvent le prix ça, en à fait. payer, c'est énorme. D'abord, premièrement, tu arrives dans un pays où rien n'est gratuit aux États-Unis. Hein. La Côte d'Ivoire a dit ici, ça fait des années, qu'avant que moi, elle peut le confirmer. Aux États-Unis, rien n'est gratuit, Nope. premièrement. Deuxièmement, tu arrives dans un pays où tu n'as ni tonton, ni tontine. Donc, quand tu vois devant, tu regardes derrière, tu tombes à gauche, à droite, tu es seul. Tu peux avoir des gens, mais ils s'en foutent de toi, en fait, de tes problèmes. Yep. Donc, premièrement, d'abord, ça t'affecte. Deuxièmement, quand toi-même, tu décides d'avoir plus que le minimum, ça te met sur les roues. Parce que tu vas avoir plus que le minimum. De frais ou de force, ça va te mettre les roues. Il y a des fois, peut-être, je peux aller dans un magasin aux États-Unis, comme dit souvent un de mes frères, depuis que tu arrives aux États-Unis, le problème des habits était fini. Parce qu'aux États-Unis, partout où tu vas, il y a des beaux habits. Partout où tu tournes, il y a des belles chaussures. Partout où tu te tournes, il y a tout est beau ici. Hein. Mais il y a des fois, tu vas arriver dans un magasin, tu vois une robe, ou tu vois un autre, tu dis, ah, le Wossien. Mais tu vas penser que non, j'ai ma facture à payer, j'ai la maison à payer, j'ai ceci à faire, j'ai mon assurance sur la voiture à payer. Pour ceux qui ont le car payment, j'ai la voiture à payer ce mois-ci. Ça te rectifie le tir. Il y a des fois, peut-être tu as trop envie de dormir, mais tu dois te lever, contacter tes clients, faire tes commandes, passer tes commandes. Moi, il y a des gens qui m'ont fait des messages pour me dire, est-ce que toi tu dors? On te voit toujours connecté. Mais comment je ne veux pas être connecté si mes clients sont sur Internet? Comment je vais aller dormir si je sais que je dois conclure les commandes? Si je sais que je dois causer avec les gens avec qui je travaille? Donc, tout est dans l'état dans lequel tu te mets d'abord dans ta tête mentalement. Donc, quand je dis encore la pensée, le système de pensée revient. Maintenant, si tu es le genre de personne, tu es à toi, tu vis chez ton père, tu vis chez ta mère, tu payes même pas le loyer. Tu vois? Donc, pour toi, le jour que, ah, quand j'ai un problème, je vais appeler tata Brissia. Tata Brissia va me faire le transfert. Ça ne va pas t'aider à t'aligner déjà. Nope. Parce que ton mindset, tu te dis que tu dois appeler tata Brissia. Mais quand tu es dans une situation que tu fais face, tu sais que tu vois devant, tu vois derrière, tu vois à gauche, à droite, tu n'as que toi et Dieu. Tu vas commencer à chercher les solutions dans ta propre tête, dans ton cerveau. Et ça t'aligne de gré ou de force. Ça t'aligne. Donc, tout est dans la discipline, dans le système de. Donc, moi, pour m'aligner, un, ma zone, ma moment, mon environnement, déjà, m'aligne, for sure. De gré ou de force, mon environnement m'aligne parce que je n'ai pas un transfert. Tantôt que je vais appeler, envoie-moi le transfert. Ou bien papa que je vais appeler, mon père et moi, le contrat était fini. Mais quand je dis fini, mais de totalement, quoi. Je me rappelle, je suis arrivée à une situation, il y a eu un moment où je n'avais pas de maison. J'ai fait un mois, je n'avais pas de maison aux États-Unis. Un mois. Pendant un mois, je n'avais pas de maison aux États-Unis. Donc, à l'époque, là, je dormais entre mes deux boulots. Je finis le shift, je suis obligée de chercher un endroit au boulot, même dans une cuisine. Je vais dormir là-bas. Donc, je dormais entre mes deux shifts. Mais il y a eu une situation, dans cette situation-là, j'ai appelé, j'ai écrit à mon père, je l'ai appelé, je lui ai dit, s'il te plaît, j'ai juste besoin que tu m'envoies 200 dollars, j'ai juste besoin pour payer la personne qui va consigner pour moi. Mon père m'a dit non. Il m'a dit non, le contrat, toi et moi, était fini. Tu dois trouver la solution. Donc, il m'a aidé à me forger, en fait. Parce que s'il m'avait aidé, au début, j'avais mal pris ça. Après, je me suis dit, mais s'il m'aidait, ça veut dire que tout le temps, quand j'aurai une situation qui me dépasse, je vais l'appeler. Et lui, il voulait que j'apprenne à être dépendante de lui. Parce que moi et lui, le contrat était déjà fini. Il m'a payé les études du jour où je suis née jusqu'à ce que j'aie eu mon bachelor. Et tout ça dans les écoles privées, dans les universités privées. J'aurais dit respect. Mais il a dit non, non, non. Donc ça m'a encore aidé à m'aligner. Donc tout est dans ce que tu veux atteindre, dans ton mindset d'abord, dans la discipline que tu te donnes à toi-même. Et le prix que tu es prêt à payer pour atteindre ce niveau-là. No matter what, moi, exemple, un de mes problèmes que j'ai, je tombe, je me relève, sur ça, c'est le poids. Je tombe, je me relève, je tombe, mais je ne lâche pas parce que je sais qu'à the end of the world, je vais m'aligner et à avoir le poids que je vais avoir. Donc, il y a des fois, je tombe, je me relève. Il y a des fois, je ne fais pas le sport, je gagne encore du poids. Donc, mais parce que je veux, à the end of the world, finir avec le corps que je veux, je ne lâche pas prise.
Donc, tout est dans la tête et être prêt à payer le prix. No matter what, peu importe le truc, je paye le prix. Donc, c'est ce que je peux dire, la discipline. D'abord, le système de pensée, la discipline et être prêt à faire les sacrifices. Donc, les trois choses-là, c'est ce dont tu as besoin pour atteindre tous tes objectifs que tu veux. Donc, le système de pensée, d'abord, donc, dans ta tête, la discipline et être prêt à payer le prix, no matter what. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu diras? Parce que tu parles de prix, hein. Aujourd'hui, toi et moi, c'est vrai, nous sommes ici, on connaît, on parle de valeur et tout ça, mais c'est difficile encore pour nos jeunes sœurs et tout le monde, en fait, pour comprendre cette histoire de payer le prix, là, en fait. De savoir que tu dois investir, parce que tu parlais de formation, la formation était gratuite. Non, la formation, est-ce qu'on finit de se former? Mais c'est ce que j'ai dit, non. Quand tu as posé les trois questions fondamentales, tu sais qui tu es, d'où tu viens, où tu vas. Mais donc, où tu vas, là, il y a un process. Où tu vas, là, c'est un process. Moi, exemple, à vie, on paye, mais ma vision, oh, je sais que le Seigneur va nous emmener là-bas. Quand tout ce que j'ai dans ma tête, là, pour à vie, on paye, va truc, je te dis que ça sera autre chose. Le but, en fait, dans où tu vas, c'est comme dit toujours quelqu'un, c'est qui dit ça? C'est le pasteur Max Moreau qui dit toujours que travaille jusqu'à ce que tu passes, de façon que où tu passes, tu ne passes plus inaperçu, en fait. Travaille de façon que tu ne passes plus inaperçu. C'est en fait dans ça. Donc, où tu vas là, il y a un process. Il y a des choses que tu dois apprendre, que tu ne connais pas. Il y a des gens qui doivent t'accompagner. Tu as besoin des gens qui ont la même vision que toi. Donc, où tu vas là, c'est toute une vie. Voilà, on va mettre ça comme ça. C'est toute une vie. Donc, tu as besoin de travailler sur tes émotions. Tu as besoin de travailler sur ton système de pensée. Tu as besoin de travailler sur ton état physique, ton corps. Donc, tout ça là, c'est dans le process. Et dans le process, là, dans le où tu vas là, peu importe ta vision, tu as besoin des gens qui vont t'accompagner. Parce qu'il y a des gens, exemple, qui sont déjà arrivés où tu es. Tu as besoin d'aller apprendre d'eux. Mais ils vont pas s'asseoir, ils vont t'apprendre gratuit. Non. Donc, dans le où tu vas, là, il y a ça. Tu t'accroches des gens avec des gens qui sont déjà arrivés où tu es, ou bien qui sont là passés par certaines choses que toi aussi tu vas faire face. Donc, en allant apprendre d'eux, tu sèves le temps. Donc, comment on dit ça? Tu gagnes en Tu temps. gagnes un temps. Parce que, exemple, si je viens, exemple, j'ai des problèmes, des émotions, j'ai vécu des traumatismes, je viens chez la coach Brissia. Le temps que je devais m'asseoir à penser d'abord, la coach Brissia me donne des exercices. Je gagne en temps. Exemple, je veux aller, je suis dans le e-commerce. Je vais apprendre chez quelqu'un qui fait déjà du e-commerce. Elle a certainement fait des erreurs. Elle a certainement appris des choses. Dans son cours, dans sa formation, elle va m'apprendre ça. Moi, je vais gagner en temps quand je vais faire face à ces situations-là. Parce que j'ai déjà appris ça, j'ai gagné en temps. Donc, dans le où tu vas là, tu peux aussi être dans les livres. Tu vas investir dans les livres, tu vas acheter des livres sur le développement personnel, tu vas t'asseoir, tu vas lire. Tu vas aller dans les conférences, tu vas payer des billets d'avion, tu vas payer des hôtels, tu vas le truc. Donc, tout est dans les trois questions fondamentales. Tout est là-bas. Quand tu sais où tu vas, peu importe quoi, tu vas payer le prix. Même si on te dit la formation, c'est 2000 euros, tu vas payer les 2000 euros. Donc, tout est dans le mindset et dans les questions, les trois questions fondamentales de la vie. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. C'est de payer le prix. C'est de payer le prix. C'est quand Brigitte te dit qu'elle a un cours sur les émotions. Tu sais que tu as un problème sur les émotions. Paye le prix, va acheter le cours. Si elle te dit qu'elle a fait un cours, paye le prix. Parce qu'en allant prendre le cours là, tu reçois, il y a la révélation dans un cours. Il y a la révélation en prenant les coachings. C'est ce que les gens, en fait, ne comprennent pas, en fait. Il y a la révélation en allant prendre un coaching. Je vous dis la vérité, par expérience, il y a la révélation. Maintenant, il y a des gens qui se disent que, oh, je suis autodidacte et tout ça. OK. That's OK. On ne refuse pas. Mais chacun de nous a sa façon. Même si tu es autodidacte, il y a toujours une voix quand tu l'écoutes que non. La voix, là, ça résonne en toi. Et quand ça résonne en toi, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ta bénédiction est liée à cette personne, donc la voix résonne en toi. Ça peut être moi tout le temps quand tu m'écoutes, ma voix résonne en toi, ça te parle direct. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ta bénédiction est liée à moi. Donc c'est comme ça, même les pasteurs, il y a des pasteurs quand tu m'écoutes d'une manière ou d'une autre, ta bénédiction est liée à lui. Quand tu écoutes ses enseignements,
à ton père à un autre niveau. Donc, voilà un peu ce que je peux dire Tout à fait. en En ce tout qui cas, concerne merci, merci, merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez poser des questions si il y a encore de temps à nous donner. Peut-être 5 minutes par là. Donc, si vous avez Bon, des moi, j'ai pas de questions. soucis. J'ai pas de Elle a dit qu'elle n'a pas de problème. Vous avez des questions à lui poser. Posez des questions avant qu'on ne poursuive à la dernière partie, s'il vous plaît. Posez des questions, posez des questions, posez des questions. Ne vous inquiétez pas, je vais télécharger ça et je vais poster sur ma page. En tout cas, vous aurez la possibilité. Elle aussi, elle pourra partager partout. Il n'y a pas de problème. Je vais télécharger ça et puis, vraiment, là, c'est mea culpa, c'est l'erreur, la mienne. Je me suis, au lieu de me connecter sur la page normale de Born for Bon, Purpose, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà. Nous sommes tous là pour apprendre. Car cela ne tienne. Des questions pour Great Lady, voilà. s'il vous plaît? Posez des questions, posons des questions. Il n'y a pas de petites questions, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions tabou. Nous sommes là entre femmes pour nous sublimer, en fait. Posez les questions. Ah ouais, il n'y a pas de tabou chez Voilà, moi, hein. C'est le tabou que tu... C'est le c'est tabou là qui tue les gens. Il n'y a pas de tabou. Ce n'est pas l'église. ça. Non, mais ça, c'est clair, c'est pas l'église, for sure, c'est pas l'église. Mais même parce que ce qu'on dit aussi ici, c'est pas forcément ce qu'on va t'enseigner à l'église, hein. Tout le monde va à l'église. Il y a les gens, quand tu lui parles de coaching, oh non, moi j'ai Dieu. Ah, oh, maman, depuis tu vas à l'église là aussi, est-ce que ta vie a changé? Excusez-moi. Mais c'est vrai, coach. Il y a des gens, quand tu lui dis, va prendre la formation. En fait, on se trouve toujours des excuses pour aller prendre des formations, pour aller se former. Mais quand il va falloir acheter une chaussure, il va falloir acheter un sac, il va falloir acheter une perruque, des boucles d'oreilles, des montres, là, on a le temps, on a l'argent. Mais pour payer le prix, parce que je dis toujours que le travail le plus difficile au monde, le travail le plus difficile au monde, c'est le travail sur soi-même. Parce que même quand tu es habitué à être connecté, tu décides d'arrêter d'être connecté. Ou même tu manges mal, tu décides d'arrêter de mal manger. C'est un schéma. Aïe, c'est un schéma. C'est dur. Mais un schéma, le Parce que schéma. Donc voilà. quand tu dis, c'est facile quand tu parles à l'autre, non, fais ceci, fais cela, c'est bien. Mais quand ça revient, comme je dis toujours, il y a trois doigts que tu accuses qui vont vers l'extérieur, mais il y a un doigt qui te revient à toi. Mais quand tu te regardes, parce que c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens et tout, quand je parle, je fais des coachings, je demande aux gens de se regarder dans le miroir. Parce que quand tu te regardes dans le miroir, tu te vois. Tu ne vois pas une autre personne. Mais c'est Ça, c'est difficile. clair. Comme on dit, les mauvaises habitudes, on a dû. C'est difficile, comme elle dit là. C'est difficile de travailler sur toi. Et c'est là le plus grand travail. Parce que nous, on nous a habitués à demander à l'extérieur. On nous a habitués à accuser les autres, être responsables. Et moi, j'enseigne la responsabilité. Moi, je te rappelle, je te ramène, tu sais, ce qui est cru, c'est pour ça que ben, c'est un peu difficile que certaines personnes me prennent parce que c'est difficile en fait. Donc, tout ce que je fais, je te dis toujours, c'est toi. Personne ne peut changer ta vie, c'est toi qui dois te lever. Tu veux perdre le poids comme elle dit là. Elle dit, oui, c'est vrai, elle a dit tout ce qu'elle dit, mais c'est pas Dieu, tu vas prier au Seigneur, vraiment, je te bénis, Dieu. Oui, c'est vrai, mais c'est Dieu, c'est pas Dieu qui va s'élever pour aller à la salle de gym pour toi. C'est pas Dieu qui va s'élever, qui va te dire que non, il y a les donuts qui sont là. Nous, les donuts, ce sont les gâteaux sucrés là. C'est pas Dieu qui va te dire, ah, ne mange pas les donuts. C'est pas Dieu qui va te dire, ben, lève-toi, va courir. C'est pas Dieu qui va te dire que non, même s'il pleut, comme quoi tu as pris l'obligation d'aller faire du sport, tu dois faire du sport. Donc, vraiment, ce travail, comme on dit, et cette autodiscipline là, c'est cette endurance vaille que vaille, c'est ce qui manque à beaucoup. C'est pour ça que beaucoup de personnes faillent. C'est pour ça que beaucoup de personnes faillent. Et. Je le dis tout le temps dans tout ce que je fais, je le dis, c'est pas facile de faire ce qu'on fait, c'est peur. Beaucoup de personnes vont se dire, ok, ah, c'est plus facile, tu es derrière la caméra. Rien que le fait de travailler sur moi, pouvoir me présenter devant vous, c'est un travail que je fais tous les jours. C'est un travail que je fais tous les jours. C'est pas facile. Il y a des moments, toutes les conditions ne sont pas Un remplies. manque d'inspiration. D'abord, faire les vidéos chaque semaine, chaque jour. C'est un schéma. C'est un Les gens, schéma, ils vont te c'est un voir se travail. lever sur Facebook. Oh, il n'y a pas plus difficile que ça. Parce que tu dois réfléchir le thème que tu vas parler aux Bien gens. sûr. Tu ne vas pas revenir dire les mêmes choses. Bien sûr. C'est un Il faut que travail. tu C'est un t'arranges. travail. C'est plus difficile même que d'aller encore. Tu sais que ton shift commence à 8 h, tu peux forcément partir. Tu rappelles à C'est ce plus que mon difficile que ça. mentor disait en fait que oui, c'est vrai. Quand tu décides de devenir, parce qu'on parle de l'entrepreneuriat, quand tu décides de devenir entrepreneur, ben, tu te rends compte que c'est plus difficile. Parce que c'est plus facile quand tu vas 9 à 5 heures, quelqu'un a déjà programmé le travail pour toi. Mais en Toi, entrepreneuriat, ta tête tourne. Comme elle dit, c'est ton imagination. de moment jusqu'à 3 heures du matin, je suis debout, tout le monde dort chez moi, je ne dors pas. Je ne dors pas. Il y a des C'est choses, plus c'est-à-dire que difficile. tu ne peux pas.
comme elle parle de son, elle parle du système de pensée, c'est la réalité. Tu ne peux plus penser comme les autres. Tu ne peux plus voir les choses comme les autres. Quand les autres ont dit, ah, coach, je ne pense pas, c'est difficile. C'est la réalité, c'est difficile. Je venais faire les lives des fois, je n'avais pas de voix. Je venais faire les lives, par exemple, continuer de faire parce que je m'étais déjà conditionné. J'avais déjà dit que je devais faire ce challenge en plein deuil dans ma famille. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas humain, je suis humaine. Mais tu as une mission. Tu as des âmes qui sont là. Tu as des contrats que tu as dit que tu dois faire. Je me rappelle le risque que j'ai fait plus ou moins. J'avais deux engagements le même jour, mais je n'avais pas prévu la maladie. J'étais fébrile. Je vous assure, fébrile. Vous voyez, j'entends, je suis dans la salle. C'est-à-dire que j'ai vu des hautes firmes et tout ça là. Mais il fallait que je me présente. Il fallait que je performe. Il fallait que je sois là. C'est-à-dire que je ne pouvais pas le faire à distance. Non, il fallait que je sois là. Mais qu'est-ce qui m'a donné la force? C'est là. Le mental. C'est là, en fait. Je me suis préparée, je me suis conditionnée. J'ai dit, Seigneur. Et ensuite, j'ai prié, bien sûr. Seigneur, je te remets tout. Et l'autre, plus loin, il fallait que je fasse aussi un enseignement en ligne. Ce n'était pas facile, c'était difficile parce que physiquement, c'était impossible. Mais comment dire, la fièvre est revenue après. Je vous assure, la fièvre est revenue après. Mais c'est ça, en fait. Donc, il n'y a pas de questions? Come on, guys, il n'y a pas de questions? Vous n'avez pas de Mais ce qui questions est pour sûr quand Amel? même, mais ce qui est sûr quand même, avant de faire tout ce qu'on a dit, d'entreprendre, quoi que ce soit, il faut commencer par travailler sur soi, en fait. Tout passe par là. Parce que tu peux débuter. Moi, je dis toujours à tous qui prennent mes formations que le problème pour moi n'est pas de te former, d'aller entreprendre, mais c'est de continuer la course. Parce que tout le monde commence. Maintenant, c'est de continuer. C'est de finir. Commencer, c'est bien, mais en chemin, aïe, comme on dit au Congo, aïe, parce que c'est vraiment quelque chose. Il y a des choses, tu vas avoir des retours des clients, il y a des gens qui vont t'énerver, il y a, ça, c'est tout un truc. Mais si mentalement, tu n'étais pas vraiment préparé, il y a des coachs, après, ils vont te balancer des réponses qui te font mal. C'est pas parce que c'est pas un bon coach, c'est pas un bon coach, mais parfois, lui-même, il n'est pas bien travaillé ou il n'est pas bien travaillé ce point-là. Ses émotions. Donc voilà, c'est très, très important. C'est très important de vraiment travailler d'abord son mental. C'est vraiment le main chose, la chose la plus primordiale, en fait, avant même de se lancer, avant de créer une page, avant de vouloir trop. C'est d'abord guérir soi-même. C'est d'abord de vouloir chercher sa relation avec Dieu. C'est d'abord d'aller puiser vraiment, vraiment en profondeur avec soi-même, en fait. Parce que tu as besoin d'une persévérance, mais qui n'a pas de nom. Qui n'a pas de nom. Il y a des fois, il va t'arriver que moi, ça m'arrive. Il y a des fois, tu veux bien aller mettre l'argent là d'abord dans ton compte, mais tu dois d'abord investir ça dans ta propre compagnie. Dois d'abord investir ça d'abord. Tu sais pas que tu n'as pas l'argent. Tu as l'argent, mais il y a des choses que tu ne peux pas résoudre, mais tu as investi d'abord dans ta compagnie. Il y a des fois, parfois, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas faire les courses chez toi. Les gens, qui va vous savoir? Comme disons souvent, j'ai oublié, il y a une star américaine qui dit souvent, j'ai oublié son nom, il dit toujours que les gens vont voir l'extérieur. Mais no one see what is. Donc, vous allez juste voir ma main comme ça, mais le derrière ici, personne ne le voit. Donc, quand les gens vont voir Avi Beauty, exemple, sur Internet ou quoi, les gens vont voir le logo, ils vont voir Avi Empire, ouh, c'est beau. Mais le backup de ça, si. Si on tournait le visage de ça, de tout ce qu'on est passé par ou quoi, c'est pas toujours la joie. Donc, je dirais en tout cas aux gens qui nous écoutent, qui veulent bien faire les choses, qui veulent se lancer, prenez votre temps de travailler sur vous, de guérir sur vous, surtout de vouloir avoir une relation avec Dieu. Parce que Dieu, il y a des fois, il va te révéler, il va te dire non. Tu peux avoir parlé à quelqu'un, toi-même, tu t'es pas rendu compte, mais la voix de Dieu en toi te raisonne, te dit que non. Est-ce que tu t'es rendu compte que là, tu as manqué d'humilité? Ce n'est pas quelqu'un qui te le dit, c'est toi et Dieu. Donc, c'est toi et ta conscience. Donc, toi et toi-même, tu parles parce que tu arrives à cette dimension avec le Seigneur aussi. Et ça, moi, ça m'arrive personnellement. J'ai peut-être parlé avec quelqu'un ou quoi, le Seigneur me dit, est-ce que tu te rends compte que là, tu as manqué de patience? Tu te rends compte que tu as un problème de patience que tu dois encore revoir? Tu as parlé avec quelqu'un, ta façon de parler, tu ne t'es pas rendu compte, mais après toi-même et toi-même, quelque chose te dit, est-ce que tu te rends compte que là, tu as un peu été comme ceci? Tu fais backup toi-même et toi-même, tu te modifies. Ou bien tu vas vers la personne, tu t'excuses.
Et la personne va te dire, oh, mais comment tu as su que tu m'as fait mal? Que ça m'avait fait mal ou quoi? Mais toi, déjà, le Saint-Esprit en toi t'a révélé. Donc, tout ça, c'est important. Tout ça est important. Ne rien négliger, ne négliger aucun aspect. La relation avec Dieu, mais surtout travailler avec soi-même. Parce que même dans ton business, la coach Bricia va me confirmer, même dans les coachings, les thèmes qu'elle a, c'est des révélations, c'est des voix, c'est des messages qu'elle écoute dans ses oreilles. Que fais tel cours, c'est ce que les gens ont besoin. Fais telle chose, c'est ce dont les gens ont besoin. Donc, l'avantage d'entreprendre, c'est ça, c'est la révélation. Ton imagination grandit. Le Seigneur t'inspire, surtout quand tu fais les choses avec lui. Il t'inspire. Il t'inspire, il va te dire, mets tel produit sur le marché. Et quand tu vas le mettre, peut-être les gens ne le connaissaient pas. Tu seras peut-être la première personne à innover dans ce secteur-là. Mais il y a tout le monde fait l'entrée. Donc, parce que dans tout ce que tu fais, tu as besoin d'apporter ton plus qu'on ne trouve pas chez tout le monde. Mais le plus, là, ce n'est pas ton intelligence, c'est une révélation. Le téléphone qu'on a, ça a été la révélation de quelqu'un. L'ordinateur, ça a été une révélation de la part de Dieu pour quelqu'un. Le Seigneur est passé par quelqu'un pour lui dire que crée l'ordinateur parce que les gens en auront besoin et aujourd'hui ça aide tout le monde. Donc c'est très très important d'aller en profondeur d'abord avec soi-même dans tout ce que nous pouvons faire, dans le mariage, dans les business, dans tout. C'est très important la révélation avec Dieu. Et même quand Dieu te révèle, accroche-toi à ça parce qu'il y a aussi des gens qui font cette erreur-là. Le Seigneur te révèle quelque chose, il te montre la vision de la chose. Maintenant, toi, tu veux maintenant faire les choses à ta manière. Tu le mets à l'écart. Et quand tu le mets à l'écart, c'est là où il y a maintenant des couacs. Il y a maintenant des discussions, il y a maintenant des problèmes, il y a des gens qui sont frustrés, il y a des gens qui sont blessés parce que tu t'es écarté de ce que le Seigneur t'avait révélé. Donc, tout ça, c'est très, très, très important. Donc, voilà un peu ce que je Là, c'est pouvais vraiment dire. Chani qui met un partage enrichissant. Sois béni, ma reine. Oui, il faut persévérer. Je suis d'accord avec vous. Exact. Le changement, c'est un processus. C'est vraiment un processus. On ne change pas du jour au lendemain. On ne Vraiment change positif. pas du jour au lendemain. Ça, c'est vrai. Nous, on veut les. Je dis toujours, on veut les solutions microwave. On veut mettre les choses dans le micro-ondes. Et alors que quelqu'un, par exemple, je parle, je fais dans les blessures émotionnelles et tout. Quelqu'un qui a été blessé, qui a passé toute sa vie blessé, eh bien, elle se dit que, oh non, c'est en 6 semaines que je vais enlever tout ça. Non. Toute la vie, tu as une tache sur toi. Même le corps, quand tu as une tache sur toi, combien de temps ça prend? Même quand tu as les vergetures et tout ça là, combien de temps ça prend pour même exceinter juste un peu de vergetures? Comment tu vas mettre tout ce rendement, tu mets. Mais ça prend du temps. Pourquoi on veut? Parce que c'est ça, en fait. On veut comment dire, des solutions qui demandent du temps sur nous, parce que c'est ça la patience, et pendant cette patience, ça, tu travailles sur toi-même. Dieu n'a pas fait le monde en un jour. Dieu n'a pas fait le monde Oui. en un jour. Voilà des choses que nous, chrétiens, on devrait utiliser. Dieu a fait le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Nous, on veut transformer notre vie en un jour. On veut, comment dire, mettre la graine, même le fermier, il attend, il est patient. Tu ne peux pas planter la graine de maïs aujourd'hui et manger le maïs. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Même ceux qui font les OMGO, il y a quand même un certain processus, il y a quand même un certain temps que tu dois attendre avant que la graine que tu aies mise à l'intérieur dans la terre pousse, en fait. Nous voulons des choses rapides, raison pour laquelle, et nous avons les artifices aussi, il y a quelque chose en fait. Et là, elle parle des difficultés qu'elle rencontre, elle ne parle même pas des pertes qu'elle a parce que c'est ce que Oui. l'auteur la parle, en fait. Il y a des pertes que tu as. Il y a des moments, des choses, comment il y a des appareils que j'ai achetés, mais qui sont venus gaspiller. Il y a des appareils que j'ai achetés, quand on te dit qu'on ne peut plus te rembourser, c'est l'argent qui est parti. Il y a le prix à payer, c'est ça aussi. Des fois, on voit seulement le gain et tout, mais il y a beaucoup de choses que tu perds aussi dans cette découverte de toi. Il y a beaucoup de choses que tu perds aussi dans ce changement. C'est-à-dire que le changement, il est positif, il est négatif aussi. Il y a des choses que tu dois laisser tomber. Il y a des habitudes que tu dois laisser tomber. Il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a des amis aussi que Il tu dois y a même laisser des amis que tomber tu sur la perds. route. Il y a des amis que tu dois Des laisser sur amis, la des route. frères, des parents qui te prennent, qui ne te comprennent plus, qui ne comprennent pas ta vision, qui ne Bien comprennent sûr. pas ce que tu fais. Bien On te sûr. dit que tu deviens trop gonflé. Parce que quand quelqu'un t'écrit seulement, salut, comment. Donc, genre, quand quelqu'un. Il y a des choses que tu ne. Quand tu as travaillé sur toi, il y a des choses que tu ne. Tu t'arrêtes plus sur. Genre, les causeries, là, seulement Coucou pour être au Tatiana, téléphone, bien nous dit sûr. non. Non, Tatiana, bonsoir, Non. bonsoir, bonsoir. Tout ça passe, en fait, tout passe par là. Tu perds des amis, tu perds des parents. Il y a des gens qui ne veulent même plus t'adresser la parole parce que pour eux, tu es devenu trop gonflé ou bien tu n'as plus leur temps. Mais ils ne savent pas que ton temps, en fait, tu n'as que 24 heures, tu as beaucoup de choses à finir ou quoi. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre ça. Pas tout le monde.
Ça, c'est Donc, il y vrai. a toutes les pertes. Il y a les pertes humaines, financières, morales, tout ça. Tout est, il y a toutes les pertes. Il y a toutes les pertes. Mais hein, tu dois vraiment être calé sur ça. Encore, voilà un peu ce qu'on peut dire. Question, pas de questions, pas de commentaires. Vous êtes vraiment shy, hein? Effectivement, Charlie qui dit tu perds tous ceux qui ne te comprennent pas. Yes. Ça c'est comment dire? Ça c'est imprévisible. Ça c'est à prévoir en fait. C'est à prévoir, c'est à prévoir. Et ça fait mal, hein, parce que comme elle dit, il y a des gens vraiment que sur qui tu comptais, d'accord? Que tu te disais que elle devait être cette personne qui devait te supporter. Ce sont ces premières personnes qui te lâchent. Et beaucoup de personnes Oui. justement mal accompagnées, mais n'ont jamais laissé poursuivre leurs produits, n'ont jamais fini leur projet parce que justement elles ont été découragées, d'accord, par ces gens-là qui les entouraient. Elles ont été découragées par quelqu'un qui t'a dit carrément non, si tu fais ça, mais je te laisse tomber. En amour, c'est carrément la plus grosse chose parce que tu auras des gens, en fait, tu as un compagnon qui ne va pas supporter ton idée, qui ne va pas supporter ton rêve et il va te dire carrément c'est ça ou c'est moi, c'est C'est ça ou moi. c'est nous. Il y a des, ce sont des réalités en fait, en tant que chrétien. Et les gens subissent ça tous les jours. Combien de femmes se sont retrouvées, comme je dis toujours, des poupées de salon? Le mari te dit carrément, c'est mon rêve que tu supportes d'abord. Ce sont mes enfants que tu éduques, tes choses que tu dis là, ça te reste. Donc tout ça, c'est beaucoup de choses que la femme subit. Que la femme subit. Et après, tu te retrouves 15 ans de mariage, 20 ans de mariage. Oui, avec les enfants. Oui, avec une belle maison et tout. Oui, le monsieur a avancé dans ta carrière. Mais toi, tu n'as jamais rêvé. Tu n'as Ne même pas jamais épanouir. osé. Tu n'as jamais. C'est-à-dire que tu es triste, tu es belle comme une poupée, mais tu es morte à l'intérieur. Tu es morte à l'intérieur, en fait. Et la formation que je donnais, en fait, que je donne la semaine prochaine, la deuxième partie, et je parle de ça, je reprends ma couronne. C'est une révélation qui m'est venue, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose, un produit travaillé. J'ai fait la première partie, et le Seigneur m'a dit, non, c'est pas fini, en fait, il faut la deuxième partie. Et c'est terminé avant même que c'est commencé. Quand je dis aux gens, venez vous écouter, Amine, venez, venez en fait recevoir, ce n'est pas moi en fait. Vous voyez cette petite personne et toutes ces petites noires avec ses yeux tordus, comme je ris souvent pour moquer de moi, mais ce n'est pas moi en fait. Quand j'écoute, des fois, quand j'écoute mes formations, même je suis éblouie. Moi-même, je suis formée par mes formations parce que les moments comme quand le Seigneur te dit des choses, c'est toi en fait. C'est-à-dire, c'est magnifique. Beaucoup de femmes ont perdu leur couronne. Beaucoup de femmes perdent leur couronne chaque jour. Chaque jour. Et c'est triste. C'est pour ça que certains se disent, OK, oui, là, comme elle a dit, les fêtes vont arriver. Il y en a qui ont déjà commandé toute leur dernière garde-robe. Mais on te dit de t'inscrire à une formation. Et en ce moment, comment dire, un solde, une promotion. Tu as la dernière formation gratuite pour 3 jours intenses, gratuits, de plus de 6 heures de formation gratuite. Et tu as la deuxième, tu assistes à la première. Tu vas réfléchir. C'est-à-dire que, moi, je dis toujours, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de priorité. C'est un problème de priorité en fait. Aujourd'hui, on te dit, entre aller acheter une perruque de 2 euros ou 5 euros et une perruque de, je sais pas, 200 et quelques euros, tu vas réfléchir. C'est-à-dire que c'est une priorité en fait. Donc, ce que tu mets en toi doit avoir de la valeur parce que toi-même, tu te donnes de la valeur, comme elle disait. Parce que toi-même, Ça, tu te c'est donnes de la clair. valeur. Si tu dois réfléchir, et je dis encore, j'ai dû faire un voyage que je n'ai jamais fait parce que, comme elle dit, je regarde la direction où je vais. Où je laissais ma famille un week-end en 24 heures. Je n'ai jamais fait ça. Mais il fallait que je le fasse parce que j'étais en mission. Express, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais quand le Seigneur veut t'amener, il y aura des risques que tu dois prendre. Et ce sont ces C'est risques-là dont clair. on a peur. Ce sont ces risques-là dont on a peur. Tu es peut-être là, tu as une idée à l'intérieur de toi qui boit à l'intérieur de toi. Mais tu dis, oh vraiment, je ne pense pas que quelqu'un. On va me regarder comme la vendeuse des beignets. Tu sais que quand on mange ton beignet là, le goût qui est là-dedans là, les gens sortent de là. Tu sais que ta puissance est dans les beignets. Mais toi, tu insistes toujours, dis que non, je vais être avocate. Je veux être infirmière. Parce que c'est le titre là. Mais Dieu t'a dit, toi là, c'est ces beignets là que je veux. Mais tu as honte. Parce que tu dis encore, hey, vraiment, manangai. Peut-être la voisine va me regarder en train de fouiller les beignets. Elle va se moquer de moi. La voisine qui est mariée à un ministre. Ma soeur, ton roi là, ton boise là, c'est quand tu vas battre ta patte là qui va te regarder. Ruth était dans les Amen, champs. maman. Ruth était dans les champs en train de glaner. Oui. Toi, tu glanes où? Tu glanes à l'église, tu rentres à la maison, tu pleures. C'est une réalité en fait. Elle est là, elle fait ses cheveux. Pendant qu'elle fait ses cheveux là, c'est dedans, c'est son goût qui est là dedans. C'est ce qu'elle aime. Qu'est-ce que toi tu aimes faire? Parce que le but de cette émission en fait est de réveiller ces étoiles là. Les Africaines dorment. Les Africaines sont
cloîtrés dans les titres. Les Africains sont cloîtrés comment dire, dans l'environnement dans lequel elle est. Non, tu peux te déplacer, tu es à Kinshasa, tu peux aller faire un salon de beauté à Paris. Hello, Revelation. Tu peux être quelque part en Côte d'Ivoire, tu vas en montrer aux femmes qui sont quelque part, même ici à New York, à Dallas, ici où je suis, comment attacher le pagne. C'est ça, c'est ce que Dieu t'a donné. Mais tu vis en businesswoman. Voilà les révélations que Dieu te donne. Mais toi, tu dis non parce que je suis là quelque part, la personne ne me connaît. Non. On a dit comment dire, ton don fera la place parmi les rois. Vous avez peur parce que vous n'osez pas. Vous avez peur parce que vous ne voulez pas payer le prix. Mais tu sais quoi? C'est en libérant ce que tu as dans tes mains là que le Seigneur libère tes bénédictions. Et j'ai compris. C'est pour ça que je suis là. Né pour une mission, n'est pas né du jour au lendemain. C'est pour ça que c'est facile de demander aux gens d'inviter les gens sur ma plateforme. Non, j'ai eu des rejets. J'ai eu des gens qui n'ont jamais répondu à mes emails. J'ai eu des gens. Il y a beaucoup de gens en fait. Il y en a qui sont là, qui ont envie, mais qui réfléchissent à vraiment comment la coach, elle se dit, non, comment, en tout cas, non. Ma chérie, je répète encore, ta lumière là ne peut pas briller sous la table. Ta lumière ne peut pas briller sous la table. Il faut qu'elle soit quelque part sur la montagne pour qu'elle brille, qu'elle puisse éclairer le village. Ta lumière n'a pas été faite pour éclairer ce moyen. Non, ça doit éclairer l'univers. Et il faut qu'on comprenne les femmes aujourd'hui, que ta bénédiction est dans ça. L'unité, moi, je prends l'union et je suis fervent de l'union, de l'unité en fait. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de clamer haut et fort. C'est l'union qui fait la force. Quand j'invite mes sœurs sur mon plateau, je n'ai pas de problème. C'est pour que chacune de nous, là où nous sommes, que nous puissions dominer, pas les unes sur les autres, mais que nous puissions dominer en fait, comment on appelle ça, sur nos sphères, pas les unes les autres. Parce que ce qu'on fait et ce que le diable nous met en fait, parce que nous sommes des chrétiennes, on doit revenir sur cet aspect-là. Le diable veut qu'on. Et le diable nous perd dans ses chamaillements. Oh, elle n'a pas bien attaché son pagne. Oh, elle ne parle pas bien. On se focalise sur la petite chose que l'autre ne fait pas bien. On se focalise sur les critiques. Et combien de fois la femme, combien de fois le Seigneur nous met en garde sur cette femme querelleuse, sur cette femme qui s'assoit aux portes et crie. Ce caractère qu'on doit forger pour aller où on veut aller, il y a des crasses qu'on doit laver. Il y a un travail, comme elle dit, qu'on doit faire en nous, en fait. Et c'est ce qu'on veut. Quand 2020 arrive là, il faudrait que tu aies une vision plus claire. Il faudrait que tu ne puisses pas te focaliser sur la voix qui n'a pas. Il y en a qui m'a dit non, donne une formation que je n'ai pas la voix. Ta voix rock là, c'est ta voix rock là qui va bénir un roi. C'est ta voix rock là qui va éveiller les consciences des gens. Ma chérie, n'attends plus la perfection. Là où tu es, avec ce que tu as. Aujourd'hui, tu as eu cette sœur Gretely qui t'a peut-être inspiré. Qui t'a donné son exemple en tant qu'étudiante, qui t'a donné son exemple, comment elle a dormi entre deux boulots, comment, dans ces conditions-là, elle a dû réaliser à un endroit où il n'y a personne, il n'y a pas papa, papa, maman. Je vais faire comment? Je dois penser à ma progéniture. Aujourd'hui, elle n'est pas maman. Elle n'est pas encore maman. Mais toi, tu es peut-être là, tu as des enfants. Toi, tu es peut-être là, tu as une progéniture qui te regarde tous les jours. Tu dors encore. Tu as encore honte de fuir les beignets, je répète encore ça parce que moi-même, j'ai fui les beignets. Tu as encore honte de fuir les beignets pour vendre pour que tes enfants aient à manger. C'est que tu n'as pas encore faim. C'est que tes enfants n'ont pas encore faim. Oh yeah. C'est que tes enfants n'ont pas encore faim. Parce que le jour où les enfants vont te regarder là, avec le regard de la faim, ma maman, tu vas attacher ton pain là, la honte va finir. La honte C'est va clair. finir, tu vas aller au marché, tu vas aller prendre les légumes, tu vas aller vendre. Je vais même loin. Derrière chez toi, tu vas commencer le petit champ que tu vas aller vendre au marché et faire la nourriture pour tes enfants. Parce que quoi? Tu ne veux pas avoir le regard de ces enfants-là devant toi. On t'a abandonné. Oui, so what? Qu'est-ce que tu fais de ce rejet-là? Dieu a mis quelque chose dans tes mains. Il n'a pas reconnu ta valeur. Dieu a mis quelque chose dans tes mains. On t'a rejeté. Dieu a mis quelque chose en toi. Tu as de la valeur. Peut-être pas aux yeux de celui qui était là. Peut-être, tu as dit que tu as connu quelqu'un qui n'a pas reconnu. Ma chérie, ton Boaz est quelque part. Ton Boaz est quelque part à la cacher. Il attend que toi-même tu t'arroses. Il attend que tu sortes de là. Il attend que tu guérisses de l'intérieur. Tu ne veux pas payer les formations. Mais tu continues d'être aigri. Quand tu vas voir demain après-demain Empire, Avia, tu vas dire que cette jeune fille-là, elle se prend pour qui? C'est l'aigreur, c'est la jalousie qui naît parce qu'à l'intérieur de toi, là, il y a encore de la saleté. C'est pour ça que tu dois reprendre ta couronne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu écoutes cette émission. J'espère que tu as 15 ans, tu vas aller prendre les papilles là. Tu as dit comment le nom là, les filles qui sont avec les papilles là? Les tofu. Comment? Non, vieux machine, vieux machine. Vieux Mouchina là, tu es encore avec ton vieux Mouchina parce que tu ne connais pas ta valeur.
Parce que tu ne sais pas que le temps que tu perds avec ton vieux machine là, tu peux travailler sur toi-même pour être localisé par ton boss. Tu ne connais pas ta valeur. Tu ne connais pas qui tu es. C'est ça en fait. Je te dis encore, tu as 5 enfants, 10 enfants, on t'a laissé. Quelqu'un va t'épouser avec ta marmaille. Quelqu'un va t'élever comme ça. Ne te néglige pas, ma chérie. Je t'en supplie. Mais personne ne pourra le faire pour toi. Personne. Personne ne le fera pour toi. C'est à toi de te lever, de prendre les décisions que tu dois prendre. C'est à toi de te former. D'accord? De quitter de là où tu es. Il faudra que tu prennes. Il y a un saut que tu dois faire, je t'assure. Je parle avec expérience. Ce n'est pas toujours facile. Il y a un prix à payer. S'il faille que tu coupes les ongles, que tu arrêtes d'aller au salon, tu vas le faire. S'il faille que tu coupes tes cheveux, quand elle a coupé ses cheveux, elle a dit encore qu'elle a fait son timbre, je me rappelle. Que ça me prend beaucoup de temps, ça me prend de l'argent. Il y a un prix à payer. Je recevais des chaussures avec des sacs qui matchaient. C'était ça ma gloire. Mais j'étais pauvre, j'étais misérable. Aujourd'hui, lorsque je reçois des livres, je suis la femme la plus heureuse du monde. Pourquoi? Parce que j'ai repris ma couronne. J'ai repris ma couronne et je sais où est-ce que je vais. Je sais qui je suis. Je sais ce pourquoi je suis ici. J'espère que cette forme, cet enseignement, d'accord, cette émission va vraiment te bénir, toi qui es là, que tu vas taguer une autre sœur, que tu vas partager, parce qu'on partage les bêtises. Même si tu reviens la regarder en replay, tu as des questions pour Grete Lady, tu veux la contacter, maman. Si vraiment quelqu'un veut te contacter, travailler avec toi, ma chérie, comment en fait il peut faire? Voilà. Oh, en fait, si quelqu'un veut travailler avec nous, il n'y a pas de souci. Oh, on a notre page, c'est Avi Beauty, et on a notre site qui arrive bientôt, c'est avibeauty.com. Et on est là, on a aussi notre WhatsApp qui est ouvert 24 heures sur 24. Donc, ils peuvent nous contacter, ils peuvent aussi m'écrire personnellement sur mon Facebook, c'est Côté Lady Abel. Et on répond à tout le monde, on répond à tout le monde. Et puis voilà. Et pour ceux qui sont au Congo, pour ceux qui sont au Cameroun, qui sont au Sénégal, la Bible aussi est représentée là-bas. N'hésitez pas si vous voulez commander les produits. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Les fêtes arrivent, commandez Et, les produits, sublimez votre beauté en fait. On va mettre toutes les voilà. adresses en-dessus. Sublimez-vous, Plus d'excuses. sublimez-vous. Et puis Pardon? voilà. Non, je dis tout le monde peut se sublimer et en te sublimant soi-même, tu sublimes aussi les gens de ton quartier, de ton pays et c'est possible sans trop d'efforts. Avant, on faisait que tu veux commencer une activité, tu dois voyager, payer le billet, revenir, payer l'hôtel. Et Avi Beauty te donne l'occasion de te lancer dans une niche de beauté parce que de génération en génération, les femmes se feront toujours belles. Donc la beauté, c'est une niche qui restera d'éternité en éternité rentable. Ce n'est pas un truc qu'on a dit, c'est vrai. Donc, tu peux te sublimer toi-même parce que quand je vends les produits, je dois les mettre moi-même, je dois me sublimer moi-même. Et en même temps, je sublime les autres aussi. Donc, tu peux aussi te sublimer toi-même. Si tu ne peux pas aussi, tu peux inviter d'autres personnes qui viennent travailler avec nous parce que tu as invité les personnes. On te donne un certain pourcentage parce que la personne est venue derrière toi. Donc, tout le monde Donc, gagne, d'accord? Tu peux inviter tout le quelqu'un, monde gagne, il n'y a tu pas peux de problème. recommander, tu gagnes, donc chacun gagne. On est ensemble. Chacun gagne, tout le monde gagne. Donc, pour finir, je vais dire à tout le monde que c'est possible. Quand on va dans un stade pour s'asseoir, pour regarder un match, on paye pour la discipline de ce joueur-là qui joue. Quand on s'assoit pour écouter, pour suivre un film, on paye la discipline de cette star-là parce que elle a été disciplinée quelque part pour arriver dans ce film-là. Donc, nous tous aussi, c'est vrai que la discipline, c'est quelque chose de pas facile, mais on peut le faire. Si j'ai pu le faire, tu peux le faire. Si j'arrive à payer mes études, j'arrive à payer ma maison, j'arrive à payer tous mes frais moi-même, tu peux le faire. Tout est dans ton système de pensée, dans ta mentalité. Si j'arrive à payer des formations, malgré toutes les charges qui pèsent sur moi, toi aussi tu peux le faire. Tout est dans ce qui est ta priorité. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Où tu veux être? Où tu te vois dans quelques années? Comment tu te vois toi-même dans 5 ans, dans 10 ans? Quel genre de maman tu veux être? Quel genre de femme tu veux être? Quel genre d'épouse tu veux être? Donc voilà, dans cette optique-là aussi, on invite aussi les femmes à rejoindre des groupes de femmes. Parce que là-bas, il y a des enseignements. Il y a des groupes comme Femmes Virtuous Challenge. Il y a des groupes comme Écho de Femmes. Il y a des groupes de femmes qui t'aident, où tu apprends aussi des autres. Parce que c'est ça, comme a dit la coach. Les plus forts soutiennent les plus faibles. Ensemble, tu as toujours quelque chose que tu peux aussi apprendre aux autres. Donc, personne ne connaît trop. On doit se tenir, on doit se soutenir. Et c'est ensemble, nous allons aller vers la gloire, vers là où le Père nous attend, vers là où on veut être. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez dire pour finir.
N'oublie pas, tu peux le faire, tu es capable de le faire, tu dois le croire, tu dois te le dire à toi-même, tu dois te le répéter à toi-même. C'est très, très important ce que tu dis de ta bouche te concernant toi-même. Comment tu te vois? Est-ce que tu te dis, ah, moi, la pauvre, ah, moi, ah, moi. Plus tu dis, ah, toi, tu resteras dans cette condition forever, l'éternité, l'éternité. Mais quand tu commences à parler de toi autrement, quand tu commences, tu cesses de te maudire toi-même, tu commences à te bénir. À the end of the world, tu seras béni à ce niveau, donc tu te vois. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire et je dis encore à la Côte d'Ivoire, merci pour l'invitation, merci pour tous ceux qui ont été là, merci à toutes celles qui ont commenté, qui ont partagé, à toutes celles qui n'ont pas pu nous rejoindre, on s'excuse, mais la Côte d'Ivoire va faire de son mieux pour que la vidéo soit partagée, soit possible de partager, soit visible pour tout le monde. Donc voilà un peu. Et si toi aussi tu veux passer comme moi, elle prend tout le monde, ok? N'hésitez pas aussi à la contacter, elle prend tout le monde. Si tu as un don, c'est pour les enfants, tu as un don pour les femmes mariées, tu peux passer, elle prend tout le monde. Quand la première fois qu'elle me parlait de ça, moi j'ai souri parce que moi aussi j'avais reçu la même chose à cœur. Ouais. La première fois qu'elle m'a parlé de ça, j'ai dit, oh Seigneur, moi-même, j'avais même à contacter les gens qui veulent passer pour moi, tu vois. Mais quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, tu traînes. La vision peut aussi. Non, ça ne veut pas dire que parce qu'elle a commencé, moi aussi, demain, je ne peux pas faire ce que le Seigneur m'avait dit depuis. Mais c'est toujours ça. Si le Seigneur te met quelque chose, tu traînes, il y aura quelqu'un d'autre qui va commencer. Puis quand tu vas commencer, on va dire que tu as triché. Non. C'est les mêmes idées que le Seigneur met partout à tout le monde. Mais c'est à qui se lève et qui met en pratique. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire et merci encore. Merci à tous. Non, merci, merci, sois béni et que l'Éternel bénisse les yeux de tes mains et comment dire, je déclare que vraiment Avi Empire soit reconnu dans le monde entier, que toutes les femmes soient sublimées par tes produits et que toutes les femmes vraiment qui veulent aller à un autre niveau dans le domaine de la beauté vraiment puissent se joindre à toi et puis qu'on puisse comprendre que vraiment c'est ensemble qu'on est plus fort. Seul, ben, on nous attrape plus facilement alors. Donc, avec amour, on se retrouve Au dans fait, la en prochaine passant, émission. pardon, coach, en passant, si j'ai oublié, ceux qui veulent aussi se former, je forme aussi les gens. C'est vrai que je ne mets pas souvent ça en phare sur mon Facebook, mais je forme aussi les gens qui veulent avoir leur marque, qui veulent aussi créer, parce que moi-même, je passe par des expériences, donc j'apprends de ça. Donc, en prenant ma formation, je t'épargne tout ça. Comme j'ai dit, les formations, c'est t'épargner les choses, certaines situations et tout. Donc, si tu veux avoir ta propre marque, tu veux aussi travailler de la maison, c'est possible. De travailler à partir de ta maison, tu as juste besoin d'un téléphone, de l'internet. Si tu veux apprendre, n'hésite pas aussi de me contacter. Je dis aux gens de profiter de 2019 parce qu'en 2020, les prix de mes coachings, ça sera juste, il faut vraiment être prêt à payer parce que ça va être autre chose. Donc voilà, voilà un peu ce que je tenais à dire. Merci. Ok, Tara, sois bénie alors. Au revoir. Ok. Merci, au revoir. Merci à toutes, soyez bénies.